Maintenant. Donc l'enregistrement est démarré. Eh bien, bienvenue à ce premier cours de 2022. Donc, euh, comme je disais avant de débuter l'enregistrement, je n'enregistre pas à partir. Comme vous voyez, j'ai une installation spéciale à la maison. Là, je peux agrandir ma webcam si je veux. Là, je peux faire ça comme ça. Je gère mes choses indépendamment de Teams parce que je trouve que la qualité des enregistrements quand je les fais euh, à partir de mon ordinateur uniquement sont de meilleure qualité donc euh, j'enregistre de mon côté ma voix est enregistrée mon image à moi est enregistrée mais votre voix et vos images à vous ne sont pas enregistrées donc je n'enregistre pas votre voix ni votre image donc c'est pour ça ça me permet d'éviter d'avoir vous faire signer euh, un paquet de documents et avoir un paquet d'autorisation. Donc je préfère ce système-là pour éviter euh, de la paperasse et des, euh, des, euh, des, des, des démarches administratives inutiles. Donc, euh, conduit du cours d'aujourd'hui, présentation du plan de cours et on va débuter la théorie ensuite. Donc je vais débuter avec vous par vous présenter le plan de cours et en même temps je vais probablement me présenter, hein, j'imagine en présentant le plan de cours, chose qui est quand même importante également. Donc, je vais juste ouvrir le plan de cours. Je vais le mettre ici dans mon écran numéro 2. Donc, vous êtes présentement en mathématiques immobilières. Donc, euh, je vais réduire ma caméra. Ou je vais peut-être la mettre comme ça ici. Je vais la mettre ailleurs, tiens. Je vais la mettre... Euh, où est-ce que je pourrais bien mettre ma caméra? Euh, je vais la réduire comme ça, puis je vais la mettre ici. Tiens. Là, je dérange un peu moins. Dans ce coin-là. Donc, Mathématiques Immobilières, qui est un cours de deuxième session normalement, cours qui est euh, très important pour vous parce qu'il est préalable à tous les cours de la dernière session. Donc, euh, c'est quand même un cours assez fondateur là, du, du, euh, du programme. Donc, euh, date limite d'annulation de cours, bien évidemment, 18 janvier. Donc, si vous décidez d'annuler le cours, c'est possible. Sans mention d'échec, vous avez jusqu'au 18 janvier. Donc, pour le faire, si jamais vous décidez, OK, ma session me prend trop de temps dans ma vie, j'ai ma vie personnelle à gérer, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mes cours. Là, j'en ai beaucoup trop. Donc, je dois abandonner des cours. Vous pouvez décider de le faire le 18 janvier sans mention d'échec. Donc, ça, c'est une, une information très, très importante. Vous avez mon nom, bien évidemment, Jonathan Bolduc. Je me présente, je suis enseignant dans le programme de courtage immobilier depuis 2012 que j'enseigne le courtage immobilier résidentiel mais uniquement le cours de mathématiques immobilières puisque à la base je suis formé en mathématiques pure. donc j'enseigne également au régulier j'enseigne euh, en fait à l'école nationale d'aérotechnique j'enseigne les cours de mathématiques pour les gens qui font de la maintenance d'aéronefs, les gens qui font la, la technique en avionique, les gens qui font la technique en génie aérospatial. Donc, j'enseigne des mathématiques euh, dans plein de domaines. J'enseigne en mathématiques immobilières. J'ai déjà enseigné en administration. J'ai déjà enseigné en sciences de la nature. Donc, euh, très très intéressant comme euh, comme parcours. Sinon, qu'est-ce que je peux dire à propos de moi Je suis coordonnateur du département de mathématiques à l'ENA. Donc, à l'École nationale d'aérotechnique aussi. Donc, vous avez ici mon bureau qui est le C184. Euh, là, vous ne risquez pas de me trouver à mon bureau, bien évidemment, hein, parce que si vous ne suivez pas les nouvelles, <laughs> chose qui me surprendrait, euh, on est en confinement, on n'a pas le droit de donner euh, des cours en présentiel. Donc, on n'a carrément pas le droit d'aller à l'école. Donc, ça ne donne pas grand-chose <laughs> d'aller à mon bureau, là. Vous êtes mieux de communiquer avec moi par Mio ou par Teams. Je vais tenter de privilégier la plateforme Teams, cette session-ci pour les communications, que ce soit soit des questions personnelles ou des questions en lien avec la matière, mais je pourrais vous en jeter mot. Un peu plus tard, puisque nous avons la pondération du cours, chose très importante également. Deux heures de théorie, une heure de pratique et deux heures d'études personnelles par semaine. Je vous dirais que c'est très variable d'une personne à l'autre. Hein. C'est des quantités qui sont théoriques, hein, les quantités qui sont là. Le 3 heures, donc, qui inclut théorie et pratique, ça, on va le faire. Ça, c'est sûr qu'on va le faire à chaque semaine parce que c'est le 3 heures de cours qu'on fait ensemble. Le 2 heures d'études personnelles, ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes dans les premières semaines qui vont s'ennuyer. Je, je, je m'excuse pour ça. Les premières semaines, vous allez trouver ça. Euh, peut-être un peu moins intéressant pour ceux qui sont forts en mathématiques ou pour qui le secondaire, les notions du secondaire sont très fraîches. Vous allez peut-être vous ennuyer un peu plus dans les premières semaines, je m'excuse. Puis ça va être totalement l'inverse, ça va être totalement une différente expérience pour ceux pour qui le secondaire est loin. Donc, parce qu'on fait une révision, on fait une révision des notions qui vont vous être utiles. Donc, euh, ce qui est très important pour ceux... Euh, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de mathématiques. Les premières semaines vont être vraiment fondamentales pour vous. Donc, il y a certaines personnes, ils vont avoir besoin de plus de temps parce que les mathématiques sont plus loin. Puis, il y a d'autres personnes, ben, ça se peut que ça prenne moins de temps, mais tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, pour ceux qui sont euh, déjà à jour en mathématiques. Je veux juste vous dire, pour vous rassurer, que le cours est pensé pour ceux qui font des retours aux études. Donc, le cours est pensé vraiment pour vous faire faire une révision des mathématiques dont vous allez avoir besoin cette session-ci, mais en plus la session prochaine. Parce que la session prochaine, vous avez un autre cours dans lequel vous faites beaucoup de mathématiques, qui est le cours d'évaluation. Donc, ça va vous servir aussi pour la prochaine session. Arrêtez-moi à tout moment. Avez-vous des questions pour l'instant ou tout va bien? OK, OK, tout va bien. Vous pouvez m'arrêter hein, si jamais vous avez une question, si jamais vous avez une interrogation. Vous êtes habitué de toute façon à lever la main, j'imagine, dans, dans Teams. Euh, bon, OK. Donc, euh, c'est ça grosso modo. Je peux vous montrer les cours qui sont préalables. Donc, les, les, mon cours est préalable à tous les cours, en fait, de la dernière session. Donc,. Euh, si vous avez un cours à abandonner, ce n'est pas le mien. <laughs> c'est juste ça que j'ai à vous dire. Parce que mon cours à moi, c'est le cours qui est préalable à toutes les autres, à ceux de la dernière session. Puis vous allez réutiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions qu'on voit dans ce cours-là, euh, notamment quand vous avez les offres d'achat, les démarches de promesses d'achat, les contrats de courtage. Ben, dans les quatre cours, il y a des notions que vous allez réutiliser. Donc, euh, autant en évaluation, en contrat de courtage, en promesse d'achat, puis en présentation d'offres d'achat, vous allez réutiliser les notions de mathématiques. Donc, c'est un cours qui est quand même euh, fondateur là, pour la, le programme. Je ne vais pas le lire. Est-ce que vous me permettez de sauter certains passages un peu plus rébarbatifs? Est-ce que j'ai la permission de quelqu'un? Parfait, parfait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de choses, là, un peu blabla. Je vais aller juste aux informations essentielles avec vous parce que sinon, ça va être très, très long. Donc, je ne je vais pas lire les, les compétences. Les orientations pédagogiques, ben, on va utiliser la plateforme Teams, bien évidemment. Euh, moi, je vais surtout, surtout, surtout insister pour que les questions soient euh, demandées par Teams plutôt que par MIO. C'est sûr, si vous m'envoyez des MIO, je vais répondre aussi au mio, mais je vais répondre beaucoup plus rapidement par Teams parce que mio, je vais pas regarder ça tous les jours là nécessairement. Teams, oui, je regarde ça tous les jours donc vraiment l'idéal, envoyez-moi un message dans Teams euh, ou carrément mettez-moi une question sur euh, sur le groupe Teams euh, du cours, euh, carrément directement sur le groupe Teams, puis je vais vous répondre beaucoup plus rapidement que par mio, mais je réponds également au mio. Donc, les enregistrements, le lien des enregistrements, comme je disais tout à l'heure, le cours est enregistré, vont être publiés sur Léa. Euh, je vais prendre les présences, bien évidemment, à tous les cours. Je vais vous en parler plus tard, comment est-ce qu'on fait ça pour prendre les présences. Donc, euh, ça, c'est certain. Même si on a des enregistrements, bien évidemment, il y a des activités d'apprentissage dans ce cours-ci qui se déroulent en direct. Donc, on, il y a des choses qui doivent être faites en direct pendant le cours. Euh, on va également utiliser Excel ou LibreOffice pendant la session. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas Excel sur votre ordinateur, ce n'est pas grave. Le Cégep vous fournit carrément une licence gratuite de Excel. Puis, je vais vous montrer quand on sera rendu là comment l'installer. On va bien évidemment utiliser la calculatrice financière. Le modèle est un peu plus bas là, dans le plan de cours. Je vais vous le montrer. Le modèle, vous allez pouvoir le prendre en note pour pouvoir acheter euh, la bonne calculatrice. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que la formation continue vous a déjà donné la calculatrice à acheter, non? Oui, hein? Génial. Est-ce que vous l'avez entre vos mains, la merveilleuse calculatrice en plus? superbe. Ceux qui l'ont pas déjà, c'est pas grave parce que ce soir, vous pouvez utiliser une calculatrice ordinaire là pour vous dépanner, mais le plus tôt possible, vous procurer la calculatrice pour vous habituer à l'utiliser. Puis la raison étant que c'est le seul outil qui est autorisé pour votre examen de l'OACIQ, vous avez uniquement droit à cette calculatrice-là. Donc, si vous vous dites, ah, moi je ne l'aime pas trop, donc je vais utiliser ma calculatrice à moi, ben c'est pas une bonne stratégie. Habituez-vous le plus tôt possible à l'utiliser pour garantir que vous réussissiez votre examen de l'OASIC avec les plus grandes chances de succès possibles. Donc, habituez-vous avec ce modèle-là. Je sais, même moi, je n'aime pas beaucoup comment elle fonctionne. Je m'en plains parfois, vous allez vous en rendre compte pendant la session, mais il faut s'habituer parce que c'est le modèle qui va vous servir pour passer vos examens de qualification pour obtenir votre permis. Donc, très, très important. Euh, travail personnel, très important également en dehors des périodes de cours. Vous allez avoir des devoirs évidemment qui comptent. Vous allez également avoir des devoirs qui ne comptent pas, mais qui sont pour vous, pour votre enrichissement personnel. Donc, souvent, je vais dire OK. Ça, c'est pour votre enrichissement personnel. Donc, faites-les si vous sentez le besoin d'approfondir cette notion-là parce que vous sentez que vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas, mettons, confiant dans cette notion-là. Ben là, vous avez des exercices pour vous donner la confiance qui vous manque et vous pratiquer. Donc, il va y avoir des exercices qui comptent, des exercices qui ne comptent pas, bien évidemment. Euh, sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses à te dire Les questions en lien avec la matière du cours sur Teams, les questions privées, ben là vous pouvez m'écrire en milieu ou en privé sur Teams, bien évidemment. Donc si jamais il y a quelque chose, bon, vous devez vous absenter pendant la session parce que vous tombez malade ou autre, là, on le sait avec la COVID, ça arrive de plus en plus. Ben, Écrivez-moi le plus tôt possible pour qu'on puisse s'arranger. Parce que souvent j'ai des gens, ils m'écrivent puis il est, il est vraiment tard dans la session. S'il vous plaît, si vous êtes malade, si vous avez une situation particulière, je suis ouvert aux propositions, je suis ouvert aux suggestions. On essaie de trouver des solutions, mais s'il vous plaît, faites-le le plus tôt possible. Parce que le plus ça va être tard dans la session, pire ça va être. Parce qu'on n'aura plus le temps à un moment donné. Nous aussi, les enseignants, on a des délais qui sont imposés par la direction. Donc, moi, il faut que je remette les notes à telle date à la fin de la session. Je n'ai pas le droit de dépasser ça. Donc, euh, avertissez-moi si vous avez une particularité, vous devez vous absenter, vous êtes malade, le plus tôt possible. Euh, consultez régulièrement Léa, bien évidemment. Vous connaissez Léa, là, vous êtes à la deuxième session, c'est là que vous allez chercher vos notes, n'est-ce pas? Vos résultats scolaires. Donc,. Génial, génial, génial. Et Moodle, Moodle, euh, je vais vous le présenter tout à l'heure, qui est la plateforme, qui est le site web en fait du cours sur lequel je dépose les documents, je dépose les séries d'exercices. Nous allons faire des activités d'apprentissage également interactives sur Moodle. Donc je vais vous présenter ça tout à l'heure et bien évidemment Omnivox. Donc c'est les plateformes qu'on va utiliser. Vous avez aussi, en gros, qu'est-ce qu'on fait dans ce cours-là Les deux grosses compétences les plus importantes du cours, c'est de comprendre le prêt hypothécaire et son fonctionnement, et informer les parties sur les dépenses réelles liées à l'achat et la vente. C'est les deux gros sujets du cours, là, les deux gros sujets majeurs. Mais on ne va pas aborder ça dans les premières semaines, puisque les premières semaines, c'est les révisions de mathématiques entre guillemets de base, mais qui sont très importantes pour faire le reste, hein? bien évidemment. Euh, le contenu du cours, ben là, vous pourrez lire tout ça ce soir, là, si vous voulez lire ça avant de vous coucher. Là, tout ce qu'on va faire, les équations, les fonctions de la calculatrice, la géométrie. Euh, après ça, on va tomber dans l'intérêt simple, l'intérêt composé, les taux d'intérêt, les hypothèques canadiennes, les frais accessoires à la vente et à l'achat. Euh, les différents taux d'intérêt, les, les formes possibles d'hypothèques sur le marché. Vous voyez qu'il y a énormément de contenu dans ce cours-là. Je ne vous cacherai pas que ce cours-là est probablement le cours où vous allez devoir investir le plus de temps cette session. Ah, je vois une question. Je vois une question dans le, les participants c'est Wanyu. Ah, est-ce que c'est flou chez vous? OK, est-ce que vous voulez que... Comme ça. <laughs> c'est peut-être un peu plus gros. Mais peut-être comme ça. Ah, je m'excuse, c'est flou, mais tout à l'heure, de toute façon, ça va être beaucoup plus clair. Mais êtes-vous capable de lire quand même? Ok, superbe, superbe. De toute façon, dans tous les cas, le plan de cours est euh, disponible sur la plateforme Léa. Euh, vous n'êtes pas obligé de le faire imprimer, hein, parce que ça on le consulte une fois au début de la session, puis après ça, ben c'est tout là. Donc euh, vous pouvez le laisser sur Léa, là, la plateforme Léa du cours. Donc, euh, c'est ça, grosso modo. Ah oui, qu'est-ce que je disais? C'est que euh, ce cours-ci est probablement, probablement le cours où vous allez devoir investir le plus de temps, cette session-ci. Je l'admets parce qu'il y a quand même beaucoup de notions et il y a certaines parties de la matière qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre du premier coup. C'est pas impossible, c'est faisable, mais ça requiert quand même de s'investir dans la matière, de faire des calculs. Donc, c'est différent les mathématiques. Hein? Si vous prenez mettons un cours comme loi, un cours de loi, ben là vous avez des notions à prendre par cœur. C'est ça le cours. Donc ben, vous apprenez, vous faites des lectures, vous apprenez par cœur, vous faites des résumés. En mathématiques, c'est totalement différent. La technique pour apprendre, ça fonctionne avec beaucoup d'exercices. C'est de répéter des exercices, répéter des exercices, jusqu'à ce que la notion soit acquise. Donc, euh, c'est probable que vous ayez un peu plus de temps à investir là, dans ce cours-là que dans les autres. Euh, L'échéancier détaillé, je vais vous le montrer tout à l'heure, il est disponible sur le site Moodle du cours. Vous avez qu'est-ce qu'on fait à toutes les semaines avec les activités d'apprentissage. Oh, j'ai quelqu'un qui a un micro ouvert, mais là, je vais le fermer son micro. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. OK, micro fermé maintenant, génial. Donc, euh, c'est ça grosso modo. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure euh, le site Moodle avec tout ce qu'on fait à tous les cours, les activités d'apprentissage, les exercices, les lectures à faire, tout est disponible sur le site Moodle. Et les dates des évaluations sont déjà sur la plateforme Léa. Est-ce que vous savez comment aller voir les dates d'évaluation sur Léa ou non Ok, génial, génial. Vous avez tout simplement à aller dans Léa. Je peux vous faire un exemple. Euh, si vous allez dans Léa et que vous cliquez, je vais juste euh, aller voir si. Je ne veux pas non plus dévoiler des informations, euh, des informations personnelles de personne. Mais je vais cliquer sur quelqu'un pour vous montrer l'affichage que vous allez avoir. Vous, vous allez avoir cet affichage-là dans Léa. Vous allez voir, OK, travail en ligne numéro 1, c'est pour le 31 janvier. Travail en ligne numéro 2, le 21 février. Vous devriez avoir un affichage qui ressemble à ça, vous, dans Léa. Est-ce que c'est le cas? probablement. Ouais, mais il est pas à jour. Ah, il est pas à jour. Ah, il faut changer de session. C'est possible que vous n'ayez pas changé de session. faut mettre hiver. Oui. Okay. hiver. Ah, ok. Il faut mettre hiver 2022. Ça se peut que vous soyez encore en automne 2021. Mettez-vous en hiver 2022, puis là, vous devriez voir le cours de mathématiques immobilières. Puis normalement... Vous avez accès au, aux dates d'évaluation. Vous avez accès également aux notes. Là, mais là, les notes ne sont pas encore distribuées, bien évidemment, parce qu'on n'a même pas encore commencé. Donc, euh, c'est à ça que ça ressemble, en gros. Donc, c'est ça, grosso modo, pour la plateforme Léa. Euh, sinon, au niveau des évaluations, ben, comme je disais, dans le cours, il n'y a pas d'examen dans ce cours-là. J'ai décidé de fonctionner uniquement avec des devoirs. Donc euh, tout ce que vous voyez là, c'est des devoirs à faire à la maison. Euh, certains des devoirs, je vais laisser du temps de classe pour travailler dessus, me poser des questions. Parce que vraiment l'objectif dans ce cours-là, c'est pas de faire échouer les gens, C'est de vous aider à atteindre les, les compétences. Donc atteindre les objectifs. C'est vraiment ça mon objectif, c'est de vous accompagner. Vers l'atteinte des compétences que vous avez besoin pour réussir l'examen de l'OACIQ. Euh, ça fait plusieurs années hein, que j'étudie pas mal les, le genre de questions qui sont posées à l'OACIQ. J'essaie d'orienter beaucoup le contenu du cours sur le genre de questions que vous allez avoir euh, dans l'examen pour obtenir votre permis euh, de courtier immobilier résidentiel. sais oui, c'est uniquement des devoirs, mais ça ne veut pas dire de, entre guillemets, rien faire de la session. Là. Ça veut juste dire, je vous offre l'option de ne pas être stressé avec des examens. Donc, il n'y aura pas d'histoire, OK, là, vous avez 30 minutes pour me remettre votre examen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Habituellement, je donne à peu près une semaine ou deux pour faire le devoir. Vous pouvez me poser des questions, je vais répondre aux questions. La seule question à laquelle je ne réponds pas, c'est « Quelle est la réponse ?» Mais tu sais, si vous me demandez « Ok, comment je peux faire pour euh, faire les calculs de ce numéro-là » Je réponds à la question, bien évidemment, puis je vous donne des indications, puis j'essaie de vous aiguiller pour arriver à faire tous les devoirs. Puis là, vous remarquez, il y en a quand même beaucoup. J'ai six devoirs dans la session, mais il n'y a pas d'examen. Donc, c'est ça la contrepartie. C'est que non, il n'y a pas d'examen, mais c'est des devoirs euh, individuels, hein, bien évidemment. Donc, euh, si jamais je vois deux devoirs qui se ressentent, qui sont copiés-collés l'un de l'autre, c'est sûr que je vous mets zéro, là. bien évidemment. C'est des devoirs qui sont individuels. Par contre, c'est autorisé de vous entraider. Vous n'êtes pas obligé d'être tout seul. À stresser parce que vous avez de la difficulté. Vous pouvez demander de l'aide. Mais ce qui est interdit dans les devoirs, c'est de copier-coller le devoir d'un autre. Puis ça, je vais m'en rendre compte, c'est sûr. Si vous copiez coller le devoir de quelqu'un, j'y corrige tous. C'est sûr que je vais m'en rendre compte. Puis vous allez avoir zéro. Donc, ça vaut pas la peine. Donc, euh, grosso modo, c'est ça. Les travaux en ligne et des simulations. C'est ça le deux types de devoirs. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, vous pouvez aller voir en bas. Les travaux en ligne, c'est carrément des questionnaires sur Moodle. C'est des questionnaires que vous remplissez sur Moodle. Vous rentrez vos réponses sur Moodle. À la fin, vous transmettez votre questionnaire en ligne. Puis euh, moi, je vais aller le vérifier, voir si tout est correct dedans, vous donner des points, et ainsi de suite. Donc, ça, ça se fait carrément sur le site Web Moodle du cours. Donc, il y a certaines évaluations qui sont directement dans Moodle. Puis les simulations, ça c'est des mises en situation complètes dans lesquelles, ben là, vous devez me donner tous vos calculs, soit manuscrits, parce que certaines personnes préfèrent faire les calculs sur papier. Là, si, si vous êtes comme moi l'ancienne, moi j'aime mieux faire papier. Vous écrivez tous vos calculs, vous prenez des photos avec votre téléphone, puis vous m'envoyez ça. Ou mmh. certaines personnes préfèrent tout taper dans Word de façon informatique. Puis m'envoyer un fichier Word. C'est à votre discrétion. Je ne vais pas vous forcer à utiliser un format en particulier. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, qui euh, qui est ça? Euh, je pense qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question à Nadie? Ah, OK. J'avais vu le micro ouvert. Il euh, y a Eva. Eva qui a une question. Ah, je peux, je peux répéter, je peux répéter la différence entre les deux. Donc, la question, c'est quelle est la différence entre les travaux en ligne et les simulations? Les travaux en ligne, c'est des questionnaires sur Internet. C'est carrément un questionnaire euh, que vous remplissez directement dans un site web. Donc, vous remplissez, vous mettez vos réponses sur un site web, puis à la fin, vous appuyez sur le gros bouton transmettre. Et euh, moi, je reçois votre formulaire, en fait, rempli avec vos réponses. Ça, c'est les travaux en ligne. Les simulations, c'est totalement différent, en fait, comme devoir. Ça, c'est un vrai devoir de mathématiques comme au secondaire. C'est-à-dire que vous avez une mise en situation avec euh, des euh, acteurs fictifs, là, donc des gens qui veulent s'acheter une maison ou euh, des gens qui veulent vendre une maison. Puis là, je vous demande de faire certains calculs à la main. Donc, dans la simulation, c'est des calculs à la main. Dans le travail en ligne, ben là, c'est juste un formulaire euh, sur Internet. C'est ça la grosse différence. Puis là, vous allez me dire, ouais mais là, la simulation, comment je peux te remettre mes calculs? Ben, vous allez prendre des photos ou vous allez scanner carrément vos, vos calculs, puis vous allez me les envoyer euh, par, euh, par, soit par MIO ou par une autre plateforme. Je n'ai pas encore décidé comment est-ce que vous allez me les envoyer, mais bien souvent, je demande soit par Teams ou par Mio. Euh, d'envoyer euh, vos calculs. Est-ce que ça aide à comprendre un peu mieux la situation? Oui, mais. Ah, ben ça fait plaisir. De toute façon, que ce soit les travaux en ligne ou les simulations, à chaque fois que vous en allez en avoir un nouveau de disponible, je vais en parler, je vais vous donner des consignes et euh, faire des commentaires sur tout ça. Donc c'est ça grosso modo pour les évaluations. Matériel requis obligatoire, ben, uniquement, la seule chose qui est obligatoire, c'est la Texas Instrument BA2, qui est la calculatrice financière, hein, bien évidemment, euh, qu'on vous a demandé d'acheter pour le cours. C'est le seul modèle qui est autorisé euh, dans le cours. Donc si vous décidez d'acheter un autre modèle, je ne vais pas vous aider parce que... À un moment donné, il y a tellement de modèles que sinon, on finirait pas d'expliquer à tout, euh, tout le monde individuellement comment son modèle fonctionne. Donc, on a choisi d'utiliser uniquement ce modèle-là. Et c'est le modèle que vous allez utiliser aussi en session 2, euh, en session 3 plutôt, en session 3, dans votre dernière session. Donc, achetez-le le plus tôt possible et habituez-vous le plus tôt possible à l'utiliser. Et c'est le modèle qui est autorisé aux examens de l'OACIQ pour obtenir votre permis. Également, donc habituez-vous à vous en servir le plus tôt possible parce que l'examen de l'OACIQ, c'est pas mal l'évaluation qui vous permet de pratiquer après, hein, c'est votre grosse évaluation, ça. Une fois que vous avez votre diplôme, vous devez vous enregistrer auprès de l'OACIQ. Allez réussir votre examen et une fois que vous avez réussi votre examen, c'est seulement en obtenant votre permis que vous avez le droit de commencer votre métier. Donc c'est très très important de bien vous préparer pour cet examen-là. Moi c'est ça mon objectif. Il euh, y a des manuels de formation mais comme le manuel est complètement désuet je ne vous encourage pas à l'acheter. date de 95 donc n'achetez pas ça. Moi, ce que je vais vous donner à la place, c'est des, euh, des notes de cours faites maison, là, des notes de cours que j'ai faites moi-même et que je tiens à jour. Parce que les règles hypothécaires, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, changent d'année en année. Hein. Notamment, là, avec la surchauffe immobilière, il y a eu plusieurs règles qui ont changé. Donc, si vous achetez des choses qui, sont, qui datent de deux ans même, un an ou deux, ben, ça ne marche plus. Un an ou deux, c'est déjà plus bon. Donc, euh, ah, je pense que j'ai une, une question. C'est une question de qui De ah, Jacqueline. Ah, c'est des notes de des notes de cours personnel. Je vais vous les présenter dans quelques minutes les notes de cours personnelles. En fait, je fonctionne avec des notes de cours trouées qu'on remplit ensemble en direct. Vous allez voir là. Euh, J'utilise une deuxième caméra. J'ai une installation assez spéciale, mais vous allez pouvoir voir là, comment est-ce qu'on va procéder dans quelques minutes. Euh, donc, c'est des notes de cours trouées. Donc, on remplit ensemble les euh, les exemples qui ne sont pas euh, qui ne sont pas remplis déjà là, tout simplement. Puis euh, j'ai mis des lectures obligatoires parce que bon, c'est le contenu qu'on va traiter pendant le cours. Euh, je vais vous présenter ça dans quelques minutes. Donc, c'est ça, manuel de formation. S'il vous plaît, n'achetez pas ce manuel parce qu'il est désuet. Moi, ce que je vous conseille de consulter si vous voulez des ressources qui sont fiables et qui sont à jour, euh, qui portent sur les notions du cours. Ben, C'est le site web de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. S'il vous plaît, allez sur ce site-là. Ou allez sur le site de, de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui est un site officiel du gouvernement du Canada. Utilisez ces sites-là. N'utilisez pas, absolument pas, les notes de cours de 1995. Les notions qui sont là-dedans sont complètement fausses là, maintenant. Beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Donc, Allez sur ces deux sites web-là si vous voulez des informations complémentaires. Donc, euh, c'est ça, grosso modo. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Euh, je vais passer rapidement les conditions de réussite du cours. Ça, c'est comme d'habitude. Hein, ça prend 60 pour passer. Je vous dirais que dans mon cours, oui, ça arrive que j'ai des échecs. Je dirais que la plupart du temps, les échecs, c'est des gens qui abandonnent. Euh, c'est pas des vrais échecs et la plupart du temps c'est des gens qui abandonnent parce qu'ils se rendent compte que gérer les enfants, le travail à temps plein, en plus de toutes leurs cours, c'est trop. Fait que souvent il y a des gens qui vont prendre la décision, ok, je vais rallonger un peu mon parcours, donc je vais abandonner des cours, puis euh, je vais juste le faire sur plus longtemps le programme. Donc souvent c'est, je dirais que la majorité des échecs c'est ça, parce que moi je fonctionne uniquement avec des devoirs. Donc, euh, théoriquement, tout le monde a la possibilité de réussir si le devoir est complet, bien évidemment. Donc, euh, c'est euh, la note de passage. Présence aux évaluations sommatives, ben moi, c'est uniquement des devoirs. Remise de travaux, bien évidemment, vous devez remettre vos travaux à la bonne date. Euh, présentation des travaux. Nous, ça s'adresse pas trop à nous. Qualité de la langue française. Oui, la langue française est évaluée, donc euh, faites attention quand vous allez écrire vos textes. Vous pouvez utiliser Antidote. Hein, vous avez Antidote euh, de fourni avec le Cégep. Euh, vous pouvez utiliser aussi l'autocorrecteur de Word. Plagiat, comme je vous ai dit. Si, vous, si je vois que quelqu'un a copier-coller le devoir ou une partie du devoir de quelqu'un d'autre, c'est sûr que je vous mets zéro, bien évidemment, pour le devoir. Donc, ne faites pas de copier-coller de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ça m'est déjà arrivé de devoir donner zéro pour ça. Euh, modalité de participation au cours, j'en ai déjà parlé. Vous devez être présent pendant la classe virtuelle, même s'il va y avoir des enregistrements, bien évidemment. Et les politiques et règles institutionnelles. Vous pourrez lire ça. Et nous sommes déjà à la fin avec les annexes. Il n'y a pas de laboratoire. Euh, respect des équipements, ben c'est votre équipement. Nourriture et boissons, sanctions, critères d'évaluation. Je vais. Les critères d'évaluation, c'est quand même intéressant parce que euh, il va y avoir deux types d'évaluations. Hein, mais les évaluations qui sont des travaux en ligne, je n'évalue que vos réponses. Tandis que les simulations, je vais évaluer votre démarche. Ah, question de Eva. Ah, bien, habituellement, c'est que ça, ce qui peut changer, c'est ça, mettons, on est perturbé, que ça soit. Ben, maintenant, je mets toujours cette, cette phrase-là, euh, que l'échéance est approximative et pourrait être modifiée parce qu'on ne sait pas qu ce qui peut se passer dans la session. Tu sais, s'il arrive que je dois manquer un cours ou. Euh, ou autre, quelqu'un tombe, mettons, moi je tombe malade ou il faut que je manque un cours, ben là, il faut que le cours soit repris plus tard, fait que ça se peut. En fait, les seules modifications que je pourrais faire, c'est de remettre à plus tard. Je vais pas remettre à plus tôt. Donc, il n'y a pas y a pas de remise Je pourrais pas, mettons, dire au lieu du cours 13, ça va être le cours 12. Ça marchera pas là. Donc, euh, c'est toujours. Je pourrais remettre à plus tard si je vois qu'il est arrivé quelque chose en session et on a besoin de plus de temps. C'est plus à ce niveau-là. Là. Donc, euh, ça ressemble à ça. Et je pense que j'étais rendu à la fin. Euh, critères d'évaluation, oui, ce que je voulais dire, c'est que les évaluations qui se déroulent sur le site web, je corrige uniquement les réponses. Puis euh, les évaluations qui sont manuscrites, bien là, je corrige la démarche. Donc, c'est ça la différence entre les deux, bien évidemment. Et j'arrive à la fin du plan de cours. Je ne sais pas si vous avez des questions avant euh, qu'on débute la théorie. Ah, Eva, est-ce que tu avais encore une question? Ah, question, question, question. C'est de. Ah, question. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que euh, je vais vous le montrer tout de suite euh, la plateforme Moodle du cours, puis comment est-ce que vous pouvez euh, y accéder. C'est tout simplement euh, par euh, par le lien que je vous ai partagé. Je vais vous le montrer ici. Je vais aller dans Léa. À tout moment, hein, si jamais vous vous avez une information, là vous, vous demandez, ok, comment je fais pour accéder à, à quelque chose ou à d'autres choses, vous pouvez aller dans Léa. Et dans Léa, j'ai mis dans la section Communiquer comment se connecter à Moodle. Donc, vous avez ça en Communiquer. Puis, vous l'avez également dans les documents. Donc, si vous allez dans les documents, vous allez vous rendre compte que j'ai distribué un document qui euh, fait pas mal le sommaire de tous les communiqués importants. Donc, vous pouvez y accéder par là ou par la section Communiquer, mais je vais accéder par là. Donc, le document qui s'appelle Communiquer. Si vous ouvrez ce document-là, vous avez les explications de comment se connecter à Moodle. Euh, le groupe Teams, bien évidemment, donc, euh, qui, est, euh, qui a le lien ici pour poser vos questions. Vous avez également la section pour les problèmes techniques. Parce que euh, les choses ont changé un peu dans les dernières années au niveau des problèmes techniques. Avant, ce que je pouvais faire, c'est que je pouvais communiquer avec l'équipe technique et régler les problèmes pour vous. Ça, je pouvais le faire avant. Maintenant, on nous interdit de faire ça. Donc, on m'interdit de régler les problèmes techniques pour vous. Donc, dès que vous avez un problème technique, vous devez le régler vous-même. Puis pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de fonctionner comme ça? C'est parce qu'il y a des mots de passe, puis il y a des noms d'utilisateurs et des mots de passe souvent d'impliquer. Puis ils trouvaient que c'était trop dangereux au niveau de la sécurité d'impliquer le prof. Donc, il faut vraiment que vous le fassiez vous-même prendre contact avec le soutien technique. Donc, ici, vous avez les liens là, pour obtenir de l'aide euh, et du soutien technique dans les documents sur Léa. Et vous avez également le lien pour accéder au euh, site web Moodle du cours. Si vous cliquez dessus, normalement, ça devrait vous ouvrir automatiquement. Ah euh, oh non, ça, c'était pour le compte Moodle, désolé. Euh, le lien est ici. Le lien de notre cours dans Moodle est juste ici. Vous pouvez cliquer dessus. Je vous l'envoyais aussi par Mio. Et le nom du cours, c'est Mathématiques immobilières. Il est fort probable que la plateforme vous demande de vous connecter, hein, bien évidemment. Puis pour vous connecter, vous devez appuyer sur le gros bouton orange. Je ne sais pas si va me le demander là. Euh, continue. Oui, exact. C'est ce gros bouton orange-là hein, pour vous connecter à Moodle. Il ne faut pas utiliser les. Je sais que c'est un peu euh, mélangeant, là. Il y a comme deux cases ici. Il y a la case nom d'utilisateur et mot de passe, mais ce n'est pas ça. C'est le gros bouton orange pour vous connecter. Et c'est le même identifiant et mot de passe que pour la plateforme Teams. Donc, euh, c'est exactement la même chose que pour Teams. Puis, euh, si vous cliquez dessus, ben là, c'est là que vous accédez. Là, vous, probablement, que ça va vous demander de vous connecter, mettre votre nom d'utilisateur et mot de passe. Et vous avez accès. Ah, ça. Ah, ça connecte direct. Ah, génial. Génial, génial. Ben, tant mieux si ça connecte direct. Et c'est là que vous avez les notes de cours à faire. Moi, j'ai indiqué à faire imprimer. Mais il y a des gens qui préfèrent fonctionner avec une tablette électronique, prendre des notes de cours dans la tablette électronique. Bon, si vous préférez faire ça, vous êtes libre. Vous pouvez euh, utiliser votre tablette électronique pour prendre des notes. Moi comme... Ah oui, oui, question, question, question. Ah Je vais désactiver la caméra dans ce cas-là. Est-ce que c'est mieux comme ça Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est mieux euh, quand c'est plein écran, hein, autrement dit. Mais je pense qu'il y a façon pour vous de d'activer le plein écran. Je peux faire ça aussi, mettre en évidence pour tout le monde. Là, c'est encore mieux, hein, je pense. Génial, génial, génial. On s'adapte on on en direct, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, c'est ça grosso modo. Donc, vous avez les notes de cours ici. J'ai marqué à faire imprimer, mais là, c'est à votre discrétion. Si vous préférez prendre des notes de cours manuscrites ou vous préférez prendre des notes de cours dans votre tablette avec un stylet, euh, c'est comme vous le désirez. Vous avez les trois chapitres ici à faire imprimer. Et quand j'écris lecture obligatoire, page 2 à 9, c'est-à-dire, c'est les pages 2 à 9 dans les notes de cours. Donc, si vous cliquez, mettons, sur le chapitre 1, puis euh, vous l'ouvrez. Ben là, vous allez vous rendre compte que les pages 2 à 9, ben c'est l'introduction, les ensembles de nombres, euh, la priorité des opérations. Donc, on va parcourir ça ensemble aujourd'hui. Donc, c'est les pages 2 à 9 qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui. Et vous avez les exercices à faire, donc euh, les deux formatifs. Donc, il y a deux formatifs ici. Quand je parlais de questionnaires à remplir sur un site Web, ben c'est ça. C'est les. Euh, les, les fameux questionnaires Moodle. Ceux-ci ne comptent pas, là, bien évidemment, parce que là, on est quand même au cours 1. Là. Je ne peux pas vous faire compter ça euh, directement au cours 1. Mais il va en avoir qui vont compter dans la session. Donc, ça, c'est les travaux en ligne. Et j'ai mis disponibles aussi les exercices supplémentaires. Donc, j'ai écrit que les deux fichiers PDF sont disponibles si vous sentez le besoin d'en faire plus. Donc, si vous ressentez le besoin, OK, vous voyez que mettons la priorité des opérations ou les fractions, c'est loin pour vous. Vous sentez le besoin de vous rafraîchir la mémoire encore plus Ben là, il y a deux fichiers ici euh, disponibles pour vous permettre de vous exercer encore plus. Et j'ai même mis des liens pour le site web de AlloProf sur l'opération sur les fractions. Donc euh, ça, c'est des vidéos en fait explicatives supplémentaires. Et j'ai mis également une vidéo sur comment formater votre BA2+ pour qu'elle ait le bon format. Euh, dans le cours. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça euh, à tête reposée un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, on va débuter avec les pages 2 à 9. Habituellement, je prends une pause à 7h30. Est-ce que ça vous dérange si je prends la pause à 7h30? Eva. Ah, superbe. Mais c'est quoi ta question? <laughs> C'est le livre de la session, exact, exact. Oui, oui, c'est juste une centaine de pages. J'ai essayé de mettre l'information la plus concise possible en note de cours pour ne pas mettre d'informations superflues. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, donc c'est ça, donc le cours de cette semaine, vous avez la semaine du 3 au 9 janvier de débloquer, vous avez également la semaine prochaine de débloquer, vous voyez qu'est-ce qu'on va faire, on va faire les équations linéaires, on va faire page 10 à 12, euh, après ça la semaine du 17 janvier, on va faire les pourcentages, après ça la semaine du 24 janvier, on va faire les calculs de superficie-volume, c'est ce que je voulais dire par échéancier détaillé, là vous l'avez dans Moodle, là, il ne peut pas être plus détaillé que ça. là. Avec les pages qu'on va faire, les exercices qu'on va faire, les travaux en ligne. Donc, euh, je sais pas est-ce que c'est un peu plus clair pour vous qu'est-ce que nous allons faire dans la session Oui, oui. Oh, mais là, tu as, as essayé... Oh, ok, guylaine c'est parce que tu les as déjà essayé autrement dit, avant qu'on voit la matière ensemble. Donc, c'est normal que ce soit difficile. Ah uh ah, -huh. donc la partie révision va être importante. Ah, génial. Mais je pense qu'il est possible de, les, euh, de, les, euh, de, de démarrer une nouvelle tentative à moins que j'ai bloqué là mais normalement on devrait avoir un bouton pour une nouvelle tentative, j'allais voir les quatre Oui, c'est ça. Ah, génial. Génial, génial. puis de toute façon, c'est seulement formatif, ça compte pas hein, bien évidemment. Donc euh... Ah oh non. non! Non, non, j'essaye pas j'essaie pas de vous stresser. Je trouve que les maths c'est déjà stressant de base. <laughs> ah, je sais, je sais. Puis là, n'es pas la seule, parce que je suis certain qu'il y en a plusieurs que juste de voir mathématiques dans le titre, c'est suffisant pour stresser. <laughs> pour stresser les gens, malheureusement. Je, je connais ça, hein. Euh, J'enseigne les maths depuis euh, une dizaine d'années là maintenant là, puis euh, c'est très très euh, connu. Euh, question de Enaida. Ah l'échéance, ok, j'ai mis en rouge en fait les dates où il y avait quelque chose à remettre. Puis là la, la prochaine date c'est euh, le 31. Donc vous devez terminer le travail en ligne numéro 1 avant le début du cours du 31. Mais j'ai pas encore débloqué le travail parce que là on n'a pas vu de matière encore. Ah, ben, euh, quand est-ce que c'est à livrer euh, du 3 au 9? Ben, en fait, aujourd'hui, je vais vous laisser du temps pour les faire en classe, les formatifs. Donc, on les fait en, on les fait en direct, en fait. Puis, c est, c est... Ah, ça fait plaisir. Donc, la question, c'était, euh, pourquoi est-ce que c'est pour les... C'est ça? jusqu'à quand on a pour les faire, les formatifs. Mais en fait, on les fait ensemble. Donc, euh... OK, donc c'est ça, grosso modo, ce qui se passe. Donc, est-ce que vous me permettez de débuter la théorie avec vous, parce qu'il est presque 7 heures et on prend la pause à 7h30. Est-ce que j'ai votre permission? Ah, merci beaucoup. Et je vais. Là, je vais tenter des choses assez dangereuses, mais on va voir si ça fon... Ah, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. <laughs> je vais juste changer parce qu'on dirait que ma caméra. OK, ma caméra ne veut pas. OK, je l'ai peut-être déconnectée. Je vais réessayer de la connecter. Ça ne sera pas très très long. Je vais juste faire cancel. Ah, voilà. Ma caméra vient d'apparaître. ouais mais c'est parce que eux en fait en fait moi c'est parce que j'utilise pas teams c'est ça ma technique <laughs> oui je projette sur teams quelque chose qui est dans un autre logiciel puis là ça c'est ma caméra numéro 2 là ici là je sais pas si vous voyez bien quand même euh, au niveau de la caméra numéro 2 ou c'est flou oui, super, clair. super super. Euh, mon visage là, est-ce que c'est correct Moi, bon, je vais me laisse en haut dans le coin là, ça va être bien correct. Puis ça, je vais me mettre ça là, puis ça va être euh, quand même euh, correct d'après moi. Euh, de toute façon, si jamais c'est flou de votre côté, l'enregistrement est enregistré en HD là. Moi, j'enregistre absolument tout en HD de mon côté euh, sur mon logiciel, donc vous ne devriez pas avoir de problème au niveau de l'enregistrement, ça c'est certain. Euh, là. Pour ce qui est du chapitre 1, les premières pages, je vais les passer quand même assez rapidement parce que euh, les premières pages, c'est tout simplement un peu de... de, de, de une petite introduction avec euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que les ensembles de nombres. Je vais peut-être zoomer un peu plus hein, parce que le texte est petit. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis je vais refaire peut-être le focus. Là, j'ai un peu d'ajustement à faire, je m'excuse. C'est parce que c'est le premier cours, puis j'avais comme aucune idée de comment ça allait ressembler tout ça. Je vais refaire mon focus. Hein, comme ça, c'est pas très bon. À 22, c'est pas si mal quand même. Mais je vais le mettre à 13. Comme ça, est-ce que vous voyez quand même pas si mal C'est flou un peu le texte. Hein? Je vais essayer de le saturer. Ouais, on peut faire ça aussi. Je, Je l'ai saturé un peu. Comme ça. Puis j'ai fait ça. Là, j'ai fait des ajustements. Il est peut-être un peu mieux, le texte là. Dans tous les cas, l'enregistrement va être parfait et vous avez également le document sur Moodle. Donc. Puis le début, ce n'est pas vraiment nécessairement euh, important de prendre des notes. C'est tout simplement de la lecture. Tout simplement pour vous dire que nous, en courtage immobilier, notre objectif, ce n'est pas juste d'avoir la réponse à un calcul. Hein. Donc, euh, le rôle du courtier, c'est surtout ce, 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 cette phrase-là qui est importante c'est que le rôle du courtier, c'est de conseiller son client. Donc une partie conseil qui demande d'être en mesure d'effectuer les calculs. Donc là, c'est important de savoir faire les calculs, mais c'est aussi important d'expliquer la mécanique de calcul et d'en fournir une interprétation contextuelle. Donc souvent, les gens sont habitués à des cours de mathématiques. Ah, ça nous prend une réponse, ça nous prend une réponse, ça nous prend, mettons, un, un chiffre comme réponse. Mais ce n'est pas juste ça que je vais vous demander dans la session. Je vais vous demander aussi d'expliquer. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire cette réponse-là Parce que c'est surtout ça l'aspect fondamental du courtier immobilier, c'est la, la partie conseil. Donc ça, c'est les notions importantes. Ensuite, qu'est-ce que vous avez Ben, vous avez un petit rappel sur les ensembles de nombres. Donc, qu'est-ce que c'est que les entiers naturels Donc, les entiers naturels, c'est les nombres entiers positif, incluant 0 pour nous, là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ce que ça veut dire, cette notation-là. Donc, les naturels, c'est n, ben, c'est égal à l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire de retenir ça par cœur. On ne va pas se resservir de ces noms-là. On ne va pas se servir du nom entier naturel dans la session. C'est tout simplement que je voulais lister la, tous les nombres que nous allons utiliser dans la session. Même chose ici avec les entiers relatifs. Pourquoi est-ce qu'ils sont relatifs? C'est parce que là, maintenant, on ajoute les nombres négatifs entiers. Donc là, on considère également moins 3, moins 2. Donc, les négatifs sont également inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Après ça, l'autre ensemble qui va nous être utile, c'est les nombres qu'on dit rationnels. Donc, les fractions, comme par exemple 1 demi, ça on va s'en servir. 2 neuvièmes, on va s'en servir. Euh, 59 149 sur 66 600, ça aussi c'est une fraction. Donc les fractions, on va les étudier dans la session. Vous avez également les nombres irrationnels qui eux ont une décimale illimitée, donc un nombre de décimales, le nombre après la virgule, sont infinis, il y a une infinité de nombres après la virgule, et ne sont pas périodiques, donc ils ne se répètent pas, comme par exemple pour pi, qui est 3,14159265 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est un nombre qui est irrationnel. On va l'utiliser aussi dans la session. Le nombre d'or, 1.61, c'est un autre exemple. Mais nous, on ne va pas utiliser le nombre d'or, malheureusement, dans la session, mais c'est quand même intéressant. Et finalement, vous avez l'ensemble des nombres réels. Les nombres réels, en fait, c'est tous les nombres des ensembles précédents. Donc on met tout, on met les entiers, les entiers relatifs, les nombres rationnels, les nombres irrationnels. Tout ça dans le même ensemble, et c'est ça qui nous fait les nombres réels. Puis les nombres réels, on peut les placer sur la droite des réels. C'est pour ça que j'ai mis une droite ici. On peut centrer la droite à 0. Puis on peut mettre les nombres positifs à droite et les nombres négatifs à gauche. Donc on peut mettre 1 ici, on peut mettre 2 là, on peut mettre 3 là, et ainsi de suite. Ici, on va avoir moins 1, ici, on va avoir moins 2, ici, on va avoir moins 3. Puis on peut même mettre les nombres euh, irrationnels sur cette, euh, sur cette droite des réels là comme par exemple pi, on pourrait le mettre environ ici, pi parce que c'est environ 3.1416. Fait 3.1416 ça va être un petit peu plus grand que 3. On peut mettre une demi, on peut venir le mettre ici, une demi parce que une demi c'est à peu près euh, 0.5. Donc on peut mettre les fractions aussi. On peut mettre les nombres négatifs, donc on va utiliser la droite des réels, bien évidemment, pour représenter tous les nombres possibles que nous allons utiliser. Et en dessous, vous avez le schéma des nombres pour vous faire une petite révision de ces notions-là. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le nom qui est important, c'est de savoir utiliser les nombres qui est important dans le cours, en gros. Donc c'est pour ça que je passe vite sur ces deux pages-là. C'est plus des références pour vous que... Euh, vraiment quelque chose qu'on va étudier en profondeur. Puis ce qui, maintenant, qu'est-ce qui est très important pour vous, par contre, c'est la priorité des opérations et savoir la maîtriser. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et dans la cadrée, vous avez la priorité qu'il faut respecter pour effectuer des opérations mathématiques. Donc on débute toujours avec les parenthèses, bien évidemment. Ensuite, on va aller travailler avec les exposants. Ensuite, on va faire les multiplications et les divisions de la gauche vers la droite. Et finalement, la dernière chose qu'on va faire, c'est les additions et les soustractions de la gauche vers la droite. Donc, pourquoi de la gauche à la droite? C'est parce que euh, en français, on lit de gauche à droite. Là, je sais que dans certaines langues, on lit de droite à gauche, mais en français ou en anglais. Par exemple, on lit de gauche à droite, donc on effectue nos opérations de la gauche vers la droite quand elles sont sur le même ordre de priorité. Puis il y a une astuce pour retenir hein, euh, en fait l'ordre de priorité des opérations. Je ne sais pas si vous la connaissiez PEMDAS ou PEDMAS. Il y en a qui l'appellent PEDMAS aussi ou PEMDAS. Super, super, si vous la connaissiez. Donc, ça, c'est très, très important à respecter, PEMDALS, qui est euh, le mot hein, qui résume pas mal euh, l'ordre euh, dans lequel on doit faire nos opérations. Puis, je peux vous débuter en vous faisant un petit exemple. Ici, on a l'exemple qui est en dessous, qui est de 6 divisé par 2, parenthèse 1 plus 2. Puis, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur Internet, c'est un problème qui est devenu viral sur Internet. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, là, les gens se, se chicanaient à savoir si c'était 9 ou 1 la réponse. L'avez-vous vu sur Internet celui-là? Ou non? non? Ah, vous ne l'avez jamais vu! Non. Ah! Dommage, 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 mais on va le faire ensemble. Allons-y, je vais juste me prendre un crayon rouge, je pense qu'avec un crayon rouge, je vais me prendre des surligneurs également, ça va aller mieux. Si j'ai des souligneurs et mon crayon rouge. Génial, je l'ai ici. Donc, ici, le 2 collé sur la parenthèse, c'est en fait une multiplication. Donc, je vais, je vais simplement réécrire le problème comme ceci 6 divisé par 2. Je fais seulement une réécriture, multiplié par 1 plus 2. Donc,. Euh, quand on a un 2 collé sur une parenthèse, ça veut dire multiplication. Je ne sais pas si vous vous en souveniez de cette règle-là ou pas. Ok, quand même. Ah, pas du tout, ça se peut. Ça se peut. Ben là, vous l'apprenez là. <laughs> là, vous l'apprenez aujourd'hui. Donc, si on a un nombre collé sur une parenthèse, ça devient automatiquement multiplié. Je ne sais pas s'il y avait une question. Exact, c'est par défaut une multiplication, tout à fait. Puis là, là ce qui est important de savoir, c'est que là, souvent, les gens me disent, ouais, mais c'est quoi la logique derrière tout ça? Il n'y en a pas. C'est une convention. C'est par convention, les gens qui font des mathématiques se sont réunis, puis on s'est dit, OK, dorénavant, quand on met un 2 ou un 3 ou un 4, peu importe le nombre qu'on met, coller sur une parenthèse, ça veut dire multiplication. C'est une convention d'écriture, en fait. C'est comme si... Ah oui, oui. Euh, ben En fait, euh, si jamais on a une situation de 6 divisé par 2 espaces 1 plus 2, même s'il y a un espace ici, on va considérer que c'est une multiplication. C'est automatiquement une multiplication. Donc, euh, dès qu'il y a un nombre à côté d'une parenthèse, c'est une multiplication automatiquement. C'est la convention. Mais c'est une très bonne question. Puis là, maintenant qu'on a réécrit correctement le problème, ben là, on peut commencer par ce qui est prioritaire. Et là, dans notre cas, on voit qu'il y a bien évidemment des parenthèses, et il faut toujours débuter par le P hein, du, du PEMDAS. Il faut commencer par le P. Donc, on commence par la parenthèse et la parenthèse nous dit de faire 1 plus 2. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire 6 divisé par 2, multiplié par la réponse de 1 plus 2, qui fait bien évidemment 3. Puis là, une fois que vous avez la réponse de votre opération entre parenthèses, bien là, vous n'êtes pas obligé d'émettre ces parenthèses-là. Vous pouvez tout simplement réécrire votre équation comme étant 6 divisé par 2 multiplié par 3 sans avoir à mettre la parenthèse. Parce que l'objectif de cette parenthèse-là, c'était de nous indiquer qu'est-ce qui était prioritaire. Donc là, maintenant que l'opération est faite et qu'on a obtenu le nombre. Ben là, on n'a plus besoin de la mettre, la parenthèse, parce que souvent, je vois les gens traîner la parenthèse longtemps. Ce n'est pas nécessaire. Là. Une fois qu'on a fait 1 plus 2, ben là, on réécrit l'opération comme étant 3. Puis là, maintenant, on a une division et une multiplication. Je ne sais pas si vous savez par laquelle commencer. Exact, c'est de gauche à droite. Parce que multiplication et division se font de la gauche vers la droite. Donc ça, c'est obligatoire de respecter ça également. Ah, Rosa, question. Ah, est-ce qu'on est euh, a perdu l'écran ou c'est correct? Ah, c'est peut-être de ton côté, Rosa. Oh, je vais faire quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Attention tout le monde, arrêtez la mise en évidence, puis je vais la refaire. Est-ce que ça fonctionne? Et là Ah, tout. ça parfois c'est... Ah oui Je vais essayer de me mettre plus au centre. Ah Épinglé Épinglé épingler. Ah, c'est ça. Avec les trois petits points en bas, on m'épingle. Épinglez-moi, s'il vous plaît. <laughs> ça va peut-être me faire mal, mais... <laughs> mais je vais essayer de mettre ça centré comme ça. Centré comme ça, vous devriez voir, non? Ah, super, super, super. Et là, comme il faut faire de gauche à droite, ben, je vais débuter par la division. Et là, la division va me donner 3. 6 divisé par 2, je vais obtenir 3. Et finalement, la dernière opération qui va être de faire 3 fois 3, qui va me donner 9. Hein. Donc, euh, quand on fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Et finalement, 3 fois 3, ça nous fait 9. Donc là, maintenant, vous avez la réponse officielle, hein, bien évidemment. Et l'erreur que les gens font souvent... C'est qu'ils ne vont pas respecter euh, le gauche à droite ici. Ils vont tout simplement faire comme s'il y avait une plus grande parenthèse, en fait. Je peux vous montrer l'erreur commune que les gens font, là, mais il ne faut pas faire ça, là, bien évidemment. Là. Je vais vous la montrer, l'erreur commune qui porte à confusion. Hein. D'où vient la confusion? Ben, si on retourne au problème d'origine, je vais le faire sur une feuille papier séparée, là. mais euh, je vais le marquer à ne pas faire. À ne pas faire ce que je vais faire là. là. C'est interdit, bien évidemment, ce que je vais faire là, mais je vais vous le montrer quand même. C'est que les gens, ils sont confus. Ils pensent que la division s'opère à tout ce qu'il y a ici. qu'en fait, eux, ce qu'ils lisent, c'est 6 divisé par 2 fois 1 plus 2. C'est de là que vient la confusion. C'est comme si les gens ajoutaient des parenthèses ici. Mais c'est faux. Si on avait voulu les mettre, on les aurait mis, ces parenthèses-là. Puis si on traite le problème comme ça, vous allez voir que ça change complètement la réponse. Ça va faire 6 divisé par 2 multiplié par 3. Parce que bien évidemment, si on additionne 1 plus 2, ça nous fait 3. Et l'opération qu'il y a entre le 2 et la parenthèse, c'est une multiplication. Et si on poursuit notre calcul, ben là, on va avoir 6 divisé par 6. Donc 6 divisé par 6, bien évidemment, on va obtenir 1 comme réponse. Et c'est une réponse qui est totalement différente de la bonne réponse. Donc euh, c'est vraiment la chose à ne pas faire. C'est de là que vient la confusion, en fait, euh, de, de ce type de problème-là. C'est vraiment au niveau que euh, la division doit se faire avant la multiplication. C'est de gauche à droite. Je peux vous remontrer la bon, le bon calcul. La division doit se faire d'abord et ensuite on a fait la multiplication. Je sais pas, si ça vous éclaire un peu sur cette notion là, là de priorité. Et je pense en avoir un deuxième hein, à la page 5. Je vais aller voir la page 5. Oui, j'en ai un deuxième à la page 5. Je vais le faire avec vous également, celui-ci, qui est le problème B, qui est le suivant. Donc, 6 moins 2 entre parenthèses multiplié par 4. Moins 2 multiplié par moins 3 fois 4. Donc, je vais débuter par le réécrire, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, de la bonne façon, de la façon correcte. C'est-à-dire de dire que c'est 6 moins 2. Multiplié par 4. Moins 2 multiplié par moins 3 multiplié par 4. Hein, c'est ça qu'on veut dire, en fait, par l'expression qu'il y a ici. Donc ce 4, comme il est colonne-parenthèse, c'est une multiplication. Le moins 2, colonne-parenthèse, c'est une multiplication. Et là, maintenant, bien évidemment, il faut suivre PEMDAS. Donc, il faut débuter par les calculs entre parenthèses, hein, toujours. C'est ce qui est le plus prioritaire. C'est la raison pour laquelle les gens vont mettre des parenthèses dans les calculs. C'est pour vous communiquer que c'est ça qui est prioritaire. Donc 6 moins 2, ça va nous faire 4 multiplié par 4. Moins 2 multiplié par... Moins 3 multiplié par 4. Je vais mettre en parenthèse quand même, même si j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Ça va nous faire moins 12 ici donc. J'ai effectué 6 moins 2 qui me fait 4, moins 3 fois 4 qui me fait moins 12. Et maintenant, j'obtiens deux multiplications séparées par un moins, bien évidemment, entre les deux. Là, on n'a pas le droit de faire le moins tout de suite parce que si on se rappelle de PEMDAS. C'est parenthèse exposant multiplication et division avant addition et soustraction. Donc là, on n'a pas le choix de faire nos multiplications avant d'effectuer notre soustraction. Donc là, on n'aura pas le choix d'effectuer la multiplication ici et la multiplication là avant d'effectuer notre soustraction. Donc si on fait 4 multiplié par 4, on va obtenir... Ah, j'allais écrire 4, mais c'est 16, évidemment. Désolé. 4 multiplié par 4 qui va nous faire 16. Moins 2 fois moins 12 qui nous fait 2 fois moins 12, moins 24. Bien évidemment. En multipliant le 2 avec le moins 12, 2 fois moins 12, moins 24. Et là, il y a une règle spéciale pour les moins-moins. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent de la règle spéciale. Ça devient. Exact, ça devient un plus, tout à fait. Donc, ça va nous faire 16 plus 24, qui va nous donner finalement 40 comme réponse finale. Et là, ne paniquez pas, hein, si vous avez oublié les règles des moins moins, des plus moins et tout ça, je les ai mises en dessous du euh, de, dans l'encadré qui est en dessous. Je sais pas si vous le voyez l'encadré, mais vous avez la liste des situations qui peuvent se produire. Donc si jamais vous avez un plus multiplié par un plus, ça vous fait un plus. Un plus divisé par un plus, ça vous fait un plus. Un moins, donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Un négatif divisé par un négatif, ça fait un positif. Moins plus, ça fait moins. Moins plus, ça fait moins. Et plus moins, ça fait moins. Et plus moins, ça fait moins. Donc là, vous remarquez que la règle pour les divisions est exactement la même que la règle pour les multiplications. Donc, euh, vous avez le tableau résumé juste ici. Je ne sais pas s'il y en a qui avait oublié ce tableau-là. C'est bien possible. Euh, pour ceux qui l'ont oublié, vous l'avez maintenant. C'est euh, euh, disponible pour vous au cas où vous, oubliez, euh, vous auriez oublié ces notions-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant ou c'est trop rapide? Okay. Correct pour l'instant? Bon, je vais continuer. Donc, euh, page 6 maintenant. Je vais arrêter à 7h30, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, page 6, c'est au niveau des fractions où on appelle également les rapports. Donc, euh, les rapports de deux nombres, en fait, c'est une division. Donc, c'est une comparaison. On peut appeler ça une comparaison. Donc, euh, c'est une comparaison. De ces deux nombres, donc on compare les deux nombres par la division. Donc, euh, c'est des nombres rationnels de la forme A divisé par B, puisque les divisions, on peut les écrire aussi avec la barre verticale, la barre horizontale, comme ça. Mais il faut faire attention que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Hein, parce que, par exemple, si vous essayez dans votre calculatrice de faire 4 divisé par 0, qu'est-ce que ça vous fait? Erreur. Impossible. Exact, c'est impossible. Ça fait erreur, malheureusement, parce que c'est impossible. C'est impossible de diviser par 0, malheureusement. Par contre, si vous essayez de diviser 0 par 4, qu'est-ce que ça vous fait zéro 0. Ça fait 0, exact. Si vous avez zéro pizza, et vous voulez la diviser en quatre parts égales, ben, tout le monde va avoir zéro pizza. Par contre, si vous essayez de diviser quatre pizzas en parts de zéro, ben, des parts qui valent zéro, c'est très difficile à définir en mathématiques. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de le définir comme étant impossible en mathématiques. Donc, la division par zéro est impossible. C'est pour ça que le paramètre B. Ne doit pas être égal à 0 dans une situation de A divisé par B. Donc la division par B, là, faites juste attention que votre dénominateur, mais de toute façon, votre calculatrice va vous indiquer erreur. Si vous essayez de le faire, là, je peux vous le montrer sur la, la calculatrice. Si j'essaie de le faire, euh, 4 divisé par 0. 4 divisé par 0 égale erreur 1. Donc là, vous le voyez là. Ça va vous le dire erreur 1 si vous essayez de le faire. Là. Donc, c'est ça, grosso modo. Et là, vous avez un premier exemple. Exemple 1, c'est le rapport de 1 cm sur 1 mètre. Là, les unités, on va les voir ensemble un petit peu plus tard. Je pense que c'est dans deux semaines, on va voir les unités. Mais en gros, c'est un ratio 1 sur 100. Donc, vous pouvez écrire les ratios avec la barre oblique, comme ça, 1 sur 100. Ou avec les deux points. Vous pouvez dire 1, 2, 100. Ou vous pouvez l'écrire comme ça, 1 sur 100. Moi, personnellement, j'aime beaucoup plus cette notation-là. Est-ce que ça vous dérange? C'est ma favorite. Non, 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 parfait. Bon, parfait. Comme par exemple, dans l'exemple 2, même chose, hein? si on a une surface de 320 pieds carrés pour la cuisine sur une su surface totale de 1280 pieds carrés, ben là, on va avoir un ratio 320 sur 1280 qu'on peut écrire de ces trois façons-là. Je vous dirais, ça, on va surtout l'utiliser en mathématiques, la, le, le ratio écrit comme ça, là, 1 sur 100. Le deux points, on l'utilise surtout dans les plans, dans les plans de vie. Euh, vous allez voir le deux points comme étant l'échelle dans les plans de vie. Puis l'autre ici, ben, on l'utilise souvent quand on manque d'espace. <laughs> On utilise la barre oblique. Vous avez le droit d'utiliser les trois, là. vous êtes euh, autorisé. Il n'y a pas de problème. Puis pour ce qui est de la simplification des fractions, nous, dans le cours, on va toujours essayer d'avoir la fraction la plus simplifiée possible. Donc, pour faire ça, on va devoir effectuer autant de divisions au numérateur qu'au dénominateur. Puis, qu'est-ce que c'est qu'un numérateur et un dénominateur? Bien, le numérateur, c'est le nombre qui est en haut, donc le 320 euh, dans l'exemple qui est en dessous ici, je vais juste vous le marquer, ça ici, c'est mon numérateur. Et le 1280, c'est mon dénominateur. Et là, l'objectif, ça va être de faire autant de divisions en haut qu'en bas. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'effectuer de division au numérateur et au dénominateur. Bien évidemment, on veut garder des nombres entiers. Hein, parce que sinon, on pourrait diviser à l'infini. Donc, euh, on veut pas, il est interdit d'utiliser des nombres décimaux dans les fractions. Donc, si vous voulez écrire des nombres sous forme de fractions, comme ça, là, il vous est interdit de mettre des nombres décimaux en haut et en bas. Puis, euh, dans mon exemple qui est ici, le 320 sur 1280 qui est l'exemple avec la cuisine, ben, vous pouvez diviser en fait par... Vous pouvez faire autant de divisions que vous voulez. Comme là, moi, je remarque que 320 et 1280, comme ils ont un zéro, les deux sont divisibles par 10. Donc, je vais diviser par 10 et je vais diviser par 10 le nombre d'en haut et je vais diviser par 10 le nombre d'en bas. Donc, ça va me faire 32 sur 128 en divisant par 10. Vous n'êtes pas obligé de diviser par 10. Vous auriez pu diviser par 2, vous auriez pu diviser par 5. Ah, Eva, question. Exact, exact. On peut aller encore plus vite. Tout à fait. Parce que moi, je voulais en fait mettre l'emphase sur le fait qu'on peut faire ça à notre vitesse. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite la bonne réponse d'un coup. On peut le faire tranquillement comme ça en voyant que, OK, lui se divise par 10, lui se divise par 10, OK, on obtient 32 sur 128. Ah, 32, ah, je pense que ça se divise par 4. Et 128 aussi. Donc je vais diviser par 4. Je divise par 4 le 32, j'obtiens 8. Je divise par 4 le 128, j'obtiens 32. Ah, ben là, je remarque que 8, ça se divise par 2, 32 aussi. Donc, je vais diviser par 2. Je vais diviser par 2. Là, je n'utilise pas de, une technique très rapide, comme vous pouvez le voir, mais je vais obtenir la réponse quand même. 8 divisé par 2, ça fait 4. 32 divisé par 2, là, ça fait 16. Ah, ben là, je vois que les deux nombres se divisent par 4. Donc, là, je vais diviser par 4 ici, et je vais diviser par 4 ici. Donc, euh, je vais obtenir 1 sur 4. Parce que 4 divisé par 4, ça fait 1. 7 divisé par 4, ça fait 4. Donc, euh, vous pouvez y aller par autant d'opérations que vous le souhaitez. La seule chose qui est importante, c'est que votre division doit être la même au numérateur et au dénominateur. Donc, en haut et en bas, vous devez toujours avoir le même chiffre. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un nombre différent. Là. Si vous divisez par 4 en haut, il faut faire la même chose en bas. Divisé par 2 en haut, même chose en bas. Divisé par 4 en haut, même chose en bas. Même chose pour le prochain, le 45 sur 60. Ben, les opérations, vous devez les faire autant en haut qu'en bas. Donc euh, là, je remarque que 45, ben, ça, ça, ça semble se diviser par 5. Et 60 aussi, hein, Ça semble se diviser par 5. Donc je vais diviser mon 45 par 5, ça va me faire 9. Et mon 60 divisé par 5, ça va me faire 12. Puis là, ah, j'ai 9 sur 12. Et là, mes deux nombres semblent être divisibles par 3. Donc, je vais diviser par 3. Je vais diviser par 3. En fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une méthode un peu essai-erreur jusqu'à ce que vous obteniez la bonne réponse. 9 divisé par 3, ça va nous faire 3. Et 12 divisé par 3, ça va nous faire 4. Donc, réponse finale, 3 sur 4. J'ai oublié d'encadrer la précédente. Et si jamais vous décidez de diviser par quelque chose et que ça vous donne un nombre à virgule, ça veut dire que ça ne marche pas. Il faut absolument obtenir des nombres entiers. Et là, vous remarquez que 3 et 4, ben là, vous ne pouvez pas trouver de facteur commun. Donc là, vous avez terminé votre simplification quand vous avez obtenu 3 et 4, parce que là, on voit que 3 ne se divise pas par. et pas pair, c'est un nombre impair. 4 est un nombre pair et ils n'ont pas de facteurs en commun, là. tout simplement. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant oui. Super, je vais avoir le temps de faire les multiplications avant de prendre la pause. Je vais prendre la pause euh, à demi Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter. Je vais dire oui. Voilà, faire entrer. Superbe. Donc, euh, multiplication de fractions. Pour multiplier les fractions, ben il faut multiplier entre eux les numérateurs et les dénominateurs ensemble. Donc, euh, dans l'exemple qu'on a ici, ben, on veut connaître. Puis lui il est quand même assez spécial cet exemple-là parce que on aimerait connaître le rapport de l'espace occupé par deux tiers de la cuisine. Donc deux tiers de la cuisine, on veut savoir c'est quoi par rapport à la superficie totale de la maison. La cuisine représente 320 pieds carrés et la superficie totale est de 1280. Donc on sait que, parce qu'on vient de le faire, 320 sur 1280, c'est un quart de la maison. Donc un quart de la maison. Est, euh, représenté par la cuisine, mais nous ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que ça va être deux tiers de un quart. Puis comment est-ce qu'on fait pour connaître deux tiers de un quart Ben deux tiers de un quart, c'est égal à quoi Ben c'est égal à deux tiers multiplié par un quart. Donc c'est comme ça qu'on détermine le 2 tiers de 1 quart. Je sais pas si vous avez déjà fait ça en cuisine. 2 tiers de 1 quart. <laughs> c'est comme ça qu'on fait quand on veut aller chercher 2 tiers de 1 quart de tasse. Donc 2 tiers de 1 quart de tasse, on doit multiplier le 2 tiers avec le 1 quart. Donc c'est pour ça que j'ai marqué ici. Ce qu'on aimerait connaître, en fait, ben, là, je l'ai marqué à l'envers, mais c'est la même chose. C'est un quart multiplié par deux tiers. On peut le traiter également dans l'autre sens. Là. On peut faire également, parce que c'est commutatif. Là. On peut faire un quart multiplié par deux tiers. Et pour faire l'opération, ben, ce qu'on dit, c'est de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est un multiplié par deux. Divisé par 4 multiplié par 3. Donc, on va multiplier le 1 avec le 2 et le 4 avec le 3. Donc, ceux qui sont en haut, on les multiplie ensemble. Ceux qui sont en bas, on va les multiplier ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ben, 1 fois 2, ça fait 2. Puis, 4 fois 3, ça fait 12. Et ma question pour vous, c'est est-ce qu'on peut laisser la fraction comme ça on peut la simplifier, donc interdit de la laisser comme ça. Hein? On doit absolument diviser par 2 et diviser par 2. Donc, euh, division de 2 par 2, ça fait 1. Division de 12 par 2, ça fait 6. Donc, un sixième comme réponse finale. Là, vous avez autant hein, de faire de la cuisine, ou non Ah, avec vos propres calculs, excellent ça. Euh, je peux faire le B avec vous. J'ai le B où on demande de multiplier 3 sur 7 par 4 sur 9. Ben, même principe que tout à l'heure. On va multiplier le 3 avec le 4. Et on va multiplier le 7 avec le 9. Donc, tout le monde en haut ensemble, tout le monde en bas ensemble. Si on fait tout le monde en haut ensemble, on va obtenir 12. 3 fois 4, 12. 7 fois 9, ben 63. Et là, on se demande toujours après, est-ce qu'on a la réponse finale? Puis là, dans notre cas, non, parce que 12 se divise par 3 et 63 également se divise par 3. Donc 12 divisé par 3, on obtient 4 sur 21. Et là, 21 et 4 n'ont plus de facteurs en commun, parce que 4, c'est 2 fois 2, puis 21, c'est 7 fois 3. Donc, euh, on n'a pas de facteur en commun. On peut arrêter là pour celui-ci. Euh, il me reste trois minutes. Je vais probablement avoir le temps de faire la page suivante en plus. Euh, page 8, où on nous demande de diviser des fractions. Je ne sais pas si vous, avez, vous vous souvenez comment diviser des fractions. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Oui. Oui. Ah, génial! Il faut multiplier par l'inverse. Donc, pour diviser des fractions, il suffit de multiplier la première. Donc, la première reste euh, elle-même, elle reste pareille, par l'inverse par de celle de droite. Donc, euh, par l'inverse de la seconde. Donc, celle de droite, qui est la verte ici, là. Euh, mon vert paraît pas beaucoup. Hein. Je vais essayer de, de le mettre un peu plus euh, en évidence, là. Voilà. Donc la première, c'est celle en jaune, puis la seconde, c'est celle en vert. Donc ce qu'il faut faire quand on a une division, ben, on va faire 3 sur 4 multiplié par 3 sur 7. C'est ce qu'on veut dire par une division avec des fractions. Dès qu'on voit division, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire d'inverser celle de droite. Toujours inverser celle de droite. Vous n'avez pas le droit d'inverser celle de gauche. Hein? C'est uniquement inverser celle de droite. Donc, celle-ci va devenir 3 sur 7 à la place de 7 sur 3. Là. Puis là, maintenant qu'on a une multiplication, bon, on sait quoi faire. On va faire 3 fois 3 sur 4 fois 7. Et 3 fois 3, on obtient 9. Et 4 fois 7, on obtient 28. Bien évidemment. Et on peut arrêter là parce que 9, c'est 3 fois 3. Puis 28, il n'y a pas vraiment de de rapport entre 9 et 28. Donc on peut le laisser comme ça. J'ai une minute pour faire le B. Je vous le fais tranquillement. Le B, qui est 9 sur 4 divisé par 11 sur 5. Encore une fois, division veut dire d'inverser la fraction de droite. Hein? Toujours la fraction de droite qu'il faut inverser, donc le 11 sur 5. On a 9 sur 4 multiplié par 5 sur 11. Si on multiplie 9 et 5, qu'est-ce qu'on va avoir ben, 9 fois 5, ça nous fait 45. Et 4 fois 11, ça nous fait 44. Et euh, ça m'amène à vous parler d'une autre notation, hein, parce que là, on voit que 45 sur 44, certaines personnes vont dire que c'est égal à 1 et 1 sur 44. Je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués à cette notation-là. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont habitués. Puis pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a 1? Ben, c'est parce qu'en haut, on a 45 et en bas, on a 44. Donc en fait, 45 sur 44, on peut écrire ça comme étant 44 plus 1 sur 44. Parce que 44 plus 1, ça fait 45. Et là, ce que les gens vont faire, ils vont dire, « ben si on a 44 plus 1 sur 44, ben, on peut dire que c'est en fait 44... D 44, donc on en a 44 sur 44, plus 1 sur 44. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un entier plus 1 sur 44. Donc, ça, c'est une autre notation. Ah, question, Eva! Je m'excuse, on voit juste pas les calculs. En tout cas, moi, je les vois pas sur le côté. Ah, merci. Mieux comme ça, hein? Ah, oh, moi j'aime beaucoup mieux celle-là, mais je vous sensibilise quand même au fait que l'autre notation existe. Oui, moi aussi je préfère 45 sur 44, mais c'est tout simplement pour vous sensibiliser à l'existence de cette notation-là, tout à fait. Oh, déjà 7h31, je vais vous laisser prendre la pause pour l'instant. Je vais juste remettre mon écran numéro 2. Euh, je vais remettre mon écran numéro 2 ici. Bon, il est inversé, je m'excuse. Il est inversé, il est inversé. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, là, je vais le remettre comme ça ici. Puis là, il ne sera plus inversé. Euh, il est encore inversé. Je suis en ajustement. Hein? Attendez deux secondes, je vais le remettre du bon côté. On va le remettre du bon côté. Là. Je ne sais pas si je l'ai eu, je ne l'ai pas eu. En tout cas, je ne l'aurai pas, probablement. Donc, ce que je vais faire à la place, <laughs> je suis en ajustement, hein? je vais vous le marquer sur une feuille de papier, pause, et euh, le retour à euh, quelle heure est-il, 7h32, on va dire à 7h50. S ah, à quelle heure finit le cours euh, Théoriquement, on termine à 9h, mais ça va dépendre de votre vitesse. Ça va dépendre de votre vitesse parce que la fin du cours, euh, je vous envoie travailler sur Moodle. Puis si vous êtes rapide, vous allez finir tôt. Si vous êtes moins rapide, vous allez finir moins tôt. Ça va dépendre de vous. Mais je vous laisse prendre la pause pour l'instant et on se revoit à 7h50. Allez vous chercher un bon café, un bon thé. Une tisane. À tout à l'heure. Et moi, pendant la pause, je pense que je vais aller me faire un bon thé vert, exactement comme vous. Et je vais essayer de remettre mon mon écran ici qui est pas dans le bon sens. Ça ici, faut que ça aille comme ça. Ah, j'ai réussi à le remettre dans le bon sens. Un peu trop tard, mais en tout cas. Voilà, je vais vous mettre la pause en gros. Retour à 7h50. Je vais aller me préparer un thé et je vous reviens dans une dizaine de minutes à peu près. À tout de suite. Ok, ok, je suis déjà de retour, mais je vais attendre encore un peu que les gens se connectent. Euh, je vais attendre que les gens reviennent tranquillement. Ça c'est beau, ça c'est beau. Puis pendant ce temps-là, je vais prendre mes choses. Ah, ben on a presque fini. On a presque fini. Il nous restait une page. Mais après ça, on va pouvoir aller sur Moodle. Donc ça se passe bien. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, je suis là pour ça. Ça va dépendre, mais c'est une excellente question par contre euh, que tu poses. Puis là, je vais la répéter. Combien de temps La question, c'est combien de temps euh, peut prendre à peu près les simulations puis les travaux en ligne. Les travaux en ligne, comme tu dis, euh, c'est beaucoup plus court que les simulations parce que les travaux en ligne, je demande pas la démarche, je demande juste la réponse. En fait, c'est toujours des questions courtes qui ont aucun rapport entre elles habituellement. Là. Ils n'ont pas beaucoup de rapport les unes entre les autres. Donc, euh, c'est comme des petits numéros, là, comme on fait là, euh, avec additionner des fractions, euh, multiplier des fractions. Donc, c'est court, c'est des petites réponses courtes. Donc, ça, c'est plus court, je dirais. Euh, ça va dépendre des gens encore là, mais il y en a qui sont très bien capables, mettons, euh, une simulation, euh, pas une simulation, euh, un travail en ligne. Il y en a qui sont capables de les faire entre euh, une demi-heure, une heure. Il y en a qui sont capables de les faire au complet. Il y en a d'autres que ça va leur prendre plus de temps. Il y en a que ça peut leur prendre 2, 3 puis 4 heures. Mais ça dépend vraiment de votre niveau d'aisance avec le sujet. S'il y en a, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas fait de maths, ben là, je ne peux pas dire que ça va prendre 30 minutes. C'est sûr que ça va prendre plus de temps parce que parfois, il va falloir qu'ils arrêtent, qu'ils aillent voir, revoir les notes de cours, qu'ils revoit un enregistrement pour les aider. Ça, fait que ça dépend d'une personne à l'autre, c'est très variable. Les simulations, elles, ça, j'admets que ça prend plus de temps parce que je demande des interprétations en mots. Ça fait que là, il faut écrire du texte, puis euh, il faut me donner des démarches complètes. Ça fait que ça, ça prend plus de temps. La première simulation n'est pas très longue. La 2 est plus longue. La 2, je l'admets. La 1. La 1, il y en a qui la font en une demi-heure, euh, une heure. La 1, dans les plus rapides. Euh, les moins rapides, ben là, il faut qu'ils retournent voir des vidéos. Il faut qu'ils retournent refaire des exercices pour se rappeler comment faire. Fait que là, ça, c'est toujours plus long. Fait que c'est vraiment. ça dépend vraiment. Mais les plus rapides, la simulation 1, y est, y est, les plus rapides sont capables de les faire en une heure ou une demi-heure. Les gens qui ont besoin de plus de temps. Ben là, c'est comme dur de donner un chiffre parce que faut qu'ils retournent lire leurs notes de cours, faut qu'ils retournent faire des exemples. Oui, exact, exact. C'est pas obligatoire de les faire à un moment précis. La seule chose à ne pas faire, c'est de se prendre trop aux dernières minutes. Parce que c'est là que les gens manquent de temps. C'est ça qui arrive. C'est que souvent les gens ils vont dire Ah, ça se fait vite, ça se fait vite, fait que je vais faire ça plus tard. Mais l'affaire, c'est que euh, ça se fait peut-être pas nécessairement si vite qu'on le pense. Là. Fait que c'est mieux de commencer tôt, dès que je vais vous donner euh, les premiers devoirs qui comptent. Commencez-les journée 1 ou journée 2. Comme ça, vous pouvez au moins prendre connaissance et voir combien ça va vous prendre de temps. Parce qu'il n'y a pas un chiffre universel. Je ne peux pas dire que ça va prendre une heure à tout le monde. Il y en a qui ça va leur prendre une heure, il y en a qui ça va leur prendre deux heures, il y en a qui ça va leur prendre trois heures. Ça dépend vraiment de comment vous procédez, comment vous fonctionnez et aussi de la fraîcheur des notions mathématiques. Hein. Ah, mais ben ça fait plaisir. J'aime beaucoup la question. J'aime beaucoup la question parce que là, vous, votre objectif, cette session-ci, qui est très différente de la session dernière, la session dernière, je pense que vous aviez seulement trois cours.

Habituellement, ça se déroule bien pour pas mal la majorité. Deuxième session, c'est là que, habituellement, s'il y a un surplus de matière, un surplus, tu sais, il y a trop d'heures dans la semaine, puis là, il y a les enfants à gérer, le tra... parce que la session dernière, moi, j'avais une, une infirmière dans mon groupe, puis là, elle, ça n'avait plus de bon sens. fallait qu'elle fasse des heures supplémentaires, des heures supplémentaires, des heures supplémentaires, du TSO, du TSO, du TSO, du TSO. Là, elle se, met... elle se mettait à manquer plein de cours, plein de cours, plein de cours. Puis là, ben là, c'est triste, mais il faut faire des choix difficiles. T'sais, si même les cours ne rentrent plus, ben là, les devoirs, ça ne rentrera certainement pas. Là. Fait que, c'est des réflexions à faire. Mais. Chose qui est positive, c'est si ça vous arrive que vous voyez que l'horaire ça ne rentre plus, ben on a une solution pour vous. On peut faire le programme sur plus longtemps. Vous pouvez le faire en une session de plus ou deux sessions de plus. Ce c'est pas grave en tant que tel. Oui, puis ce qui est bien, c'est comme on a beaucoup beaucoup de, de groupes en courtage immobilier. Ben, vous n'êtes pas ralenti tant que ça, contrairement à d'autres programmes. Moi, j'enseigne aussi dans des programmes que si, admettons, euh, on manque une session, ben là, la session se reprend juste l'année prochaine dans certains programmes. Mais ce n'est pas le cas en mathématiques et en immobilier. À toutes les sessions, il y a des groupes. Fait que, comme par exemple, si la session d'hiver, euh, vous êtes un peu plus mal pris, là, vous voyez que votre horaire est plus chargé, puis que là, hop, elle est là, là... Ça ne marche pas tout à fait avec le nombre de cours que vous avez là. Ben là, vous pouvez dire j'en abandonne un ou deux, puis je vais les faire pendant l'été. Ben ça, ça peut se faire. Parce qu'il y a tout le temps des groupes qui roulent en continu. Fait que ça, c'est vraiment bien pour vous. Ça vous offre un peu plus de flexibilité là, euh, à ce niveau-là. Si jamais vous voyez que ça ne marche pas là, au courant de la session. Donc, il y a toujours une solution. Moi, ce que je vous encourage à faire, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Communiquez avec vos enseignants, communiquez avec euh, la formation continue, on est là pour vous aider. Hein. Donc euh, vraiment l'objectif c'est pas de vous planter, c'est de vous aider à aller chercher les compétences nécessaires pour passer vos examens à l'OACIQ parce que moi je veux des gens qui ont des permis euh, à la fin euh, du programme idéalement. Là, ben, là, Sentez-vous pas mal si jamais vous ne visez pas d'avoir un permis. Là. Il y a toujours des gens qui font le cours, même pas pour avoir un permis. Il y a toujours des gens qui font le cours juste pour, pour euh, avoir le diplôme. Puis je dis juste pour avoir le diplôme, c'est pas. Pas, 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 pas une défaite, c'est une grande victoire, même d'avoir le diplôme, c'est une grande victoire. Mais c'est parce que des fois, euh, les gens ils vont, ils vont chercher le diplôme pour, euh, pour pouvoir travailler dans des agences. Donc pas nécessairement pour euh, devenir courtier. En tant que tel. Donc, ça n'est pas des gens. Vraiment, chacun a des objectifs différents là, à chaque session. C'est quand même intéressant. OK, quelle heure est-il? 7:51. OK, il me restait simplement deux exemples à faire. Je sais que c'est long, là. Je vais faire les exemples, il m'en restait juste deux. Est-ce que vous êtes encore capable de digérer deux exemples? J'espère que oui. Superbe. Je vous montre ça. Ça se déroule à la page 9 qui est la dernière page qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Euh, je vous montre ça dans deux secondes. Juste ici, la page 9. Donc ça, c'est un peu plus technique à la page 9 parce qu'on vous dit que c'est addition et soustraction de fractions. Donc je dirais que c'est très bizarre avec les fractions parce que ce qui est le plus difficile, c'est les additions et les soustractions. Et ce qui est le plus facile... C'est les multiplications et divisions. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Pourquoi Parce qu'il y a une opération supplémentaire qu'il faut faire au niveau des fractions quand on a des additions et des soustractions. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire Ben, il va falloir les mettre sur un dénominateur commun avant d'effectuer notre opération. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le dénominateur commun. J'espère que oui. Ah, superbe. Superbe, superbe. Et là, une fois qu'ils vont être sur un dénominateur qui est commun, vous allez pouvoir effectuer l'opération d'addition et de soustraction. Mais seulement une fois que vous allez avoir le même dénominateur pour toutes les fractions. Donc, euh, puis faites toujours attention de ne pas soustraire ou additionner les dénominateurs, parce que ça, c'est une erreur commune. Les gens vont additionner ou soustraire les dénominateurs, mais ce qu'il y a en bas, il ne faut pas l'additionner ou le soustraire. Ce qu'il y a en bas, il faut que ça soit pareil. Puisqu'on va additionner et soustraire, c'est ce qu'il y a en haut de la fraction. Donc, je vous fais un exemple avec l'histoire du chauffage, les dépenses d'un immeuble à revenu. Donc, vous avez un tiers environ pour le chauffage, un quart pour les taxes foncières et cinq douzièmes pour l'entretien général. Puis, ce qu'on veut savoir, c'est on veut savoir ça va être quoi le ratio, les proportions de l'entretien général et du chauffage. Qu'est-ce que ça nous donne comme proportion des dépenses de l'immeuble à revenu. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'additionner l'entretien général avec le chauffage. Donc, l'entretien général, on a 5 sur 12. Donc, je vais dire que c'est 5 sur 12. Additionner de l'entretien euh, du chauffage qui est 1 sur 3. Donc, c'est ça mon objectif, c'est de faire 5 sur 12 plus 1 sur 3. Là, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de faire l'opération d'addition Il faut regarder les dénominateurs. Mais là, le problème qu'on a, c'est que nous n'avons pas le même dénominateur. Donc, là, il va falloir mettre sur un dénominateur commun. Et le dénominateur commun que je vais choisir, ça va être 12. Pourquoi 12 Parce que je peux faire une opération à mon 3 pour obtenir 12 qui va être quoi Vous allez multiplier par Par 4, exact, exact, exact. Vous allez multiplier par 4. Et là, quand vous faites une multiplication en bas, il faut toujours la faire en haut également, sinon vous allez changer la valeur de votre fraction. Donc on va multiplier par 4 en haut et en bas seulement la fraction de droite. Parce que c'est le 3 qui va devenir un 12. Et là, si on réécrit notre opération, on va avoir 5 sur 12 plus 4 sur 12. Et là, les deux fractions parlent le même langage. Là, au début, on avait des douzièmes et là, on avait des tiers. Ce n'est pas évident d'additionner des douzièmes avec des tiers directement. Mais là, maintenant que j'ai converti mes tiers en douzièmes, 4 douzièmes, qui est la même chose qu'un tiers, mais là, maintenant, j'ai l'autorisation d'effectuer ma, ma, mon opération. Mon opération s'applique uniquement en haut parce que l'information d'en bas... Elle, ça, elle nous donne tout simplement quelle va être notre division. Donc, on divise en douzième. Donc, ce n'est pas l'amplitude de notre nombre. L'amplitude est en haut au numérateur. On en a 5 sur 12, plus 4 sur 12. Mais combien est-ce qu'on va en avoir sur 12? Bien, on va en avoir 9 sur 12. Parce qu'on en a 5 sur 12 et 4 sur 12. Il faut voir le 12 d'en bas comme étant le total, la référence, en fait. Ce 12e-là, c'est une référence. Parce que l'erreur que je vois souvent, c'est que les gens vont additionner le 5 et le 4. Ils vont avoir 9, mais ils vont additionner le 12 avec le 12. Mais ça, ça ne marche pas. Ce 12-là sert de référence commune pour déterminer notre fraction. Et est-ce que vous pouvez laisser comme ça? 9 douzièmes Il faut le simplifier, exact. Division par 3 et division par 3. Donc, on va avoir 3 sur 4. Et ça, ça va être notre réponse finale. Donc, ça représente les trois quarts des dépenses. Si on prend entretien général et chauffage, c'est les trois quarts de nos dépenses. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir une représentation comme ça. Euh, il m'en reste deux autres, donc le prochain Ah, j'ai mis B et B. Ah, j'ai une petite coquille ici, ça, ça devrait s'appeler C ici. Je m'excuse. Donc euh, le dernier, ça devrait être l'exemple C. Vous pouvez le corriger. Ah, j'ai dû. Du... Ah, j'ai dû déjà le corriger, mais je m'en souviens pas. Hmm. Ça m'arrive parfois de faire des corrections puis de ne pas m'en souvenir. Bon, mais ben, tant mieux, tant mieux si c'est correct de votre côté. Donc, je vais commencer par B. Là, vous voyez qu'on a un 5, un 2 et un 10. Qu'est-ce que vous allez choisir comme dénominateur commun? Le 10, exact. Parce que vous pouvez multiplier le 5 par 2. Donc, si vous multipliez 2 fois 5, ça va faire 10. Si on le fait en bas, il faut le faire absolument en haut. Et pour le 1 demi, on va multiplier par 5 en bas et on va multiplier par 5 en haut pour obtenir également un dénominateur de 10. Donc 2 fois 2, ça va nous faire 4 sur 10. Plus 1 fois 5, 5 sur 10. Moins 3 sur 10. Et là, maintenant, on a la même référence. Tout le monde est sur la même référence. On parle en dixième. donc euh, Et là, on a des additions et soustractions. addition et soustractions se font de gauche à droite. Donc, on commence par faire 4 plus 5, hein, bien évidemment, puisque ça se lit de gauche à droite. On va obtenir 9 sur 10, moins 3 sur 10, en additionnant le 4 et le 5. Et finalement, on peut effectuer notre soustraction en faisant 9 moins 3 ce qui nous donne 6 sur 10. Et là, bien évidemment, on doit simplifier en divisant par 2, divisant par 2, en haut et en bas. On divise par 2, on divise par 2, et on obtient finalement 3 sur 5. 3 cinquièmes comme réponse finale. Donc, c'est ça, grosso modo, c'est un peu plus technique, les additions et soustractions, mais ça se fait bien si on y procède vraiment étape par étape. Là, c'est ça l'objectif. Il m'en restait un dernier qui utilise la notation spéciale de tout à l'heure, en plus, hein, le C. Je vous le présente, le C. Le C est un peu plus technique parce que on a ça ici, là. Ça ici, c'est une notation spéciale. Ça s'appelle une fraction impropre. Et vous avez la définition en dessous ici, là, de c'est quoi une fraction impropre. Une fraction impropre, c'est une fraction de ce type-là où on a un 3, donc une partie entière, qui est le 3, et une partie fractionnaire. Et je sais que ceux qui ont étudié en Europe, ce n'est pas la même définition. Hein. En Europe, cette notation-là veut dire quoi? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Oui. Multiplier, exact. En Europe, ceci est une multiplication. En Amérique du Nord, c'est une addition. Est-ce que vous êtes choqués? Oui. choqué? C'est normal d'être choqué. Pour désapprendre, qu'est-ce qu'on a appris malheureusement? Ah non, ça n'amène pas la même réponse. C'est ça le problème. Donc, euh, c'est totalement différent comme réponse, puisque nous, ici en Amérique du Nord, c'est à cause du système américain, là, le système US. Euh, les Américains, eux, travaillent en pieds et en pouces. On va voir d'ailleurs comment ça fonctionne, les pieds et les pouces. Et dans le système américain des États-Unis, euh, quand on écrit 3 collé avec une fraction 2 sur 5, ça veut dire 3 plus 2 sur 5. On le lit 3 et 2 sur 5. Donc ça se lit 3 et 2 cinquièmes, en fait. Donc c'est totalement différent de la notation européenne. Puis, euh, en fait... Avant d'utiliser cette fraction-là dans des calculs, on va la réécrire comme étant 17 sur 5. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a deux méthodes qui existent. La méthode qui est enseignée ici à, à l'école, c'est de faire 3 multiplié par le 5, 5 fois 3, et d'additionner 2. On fait 5 fois 3 plus 2, et on va dire que ça nous donne... 17 sur 5 en faisant 5 fois 3 plus 2. Puis pourquoi est-ce qu'on fait 5 fois 3 plus 2? C'est parce qu'on a cette représentation-là. Et cette représentation-là, 3 plus 2 sur 5, c'est la même chose que 3 sur 1 plus 2 sur 5. Puisqu'on a 3 entiers, ça fait que des entiers. Ben, c'est des entiers. Là. 3 sur 1, c'est la même chose que 3. 2 sur 5, ben, c'est le 2 sur 5. Puis en mettant sur le même dénominateur, si on multiplie par 5 ici et on multiplie par 5 là, vous allez vous rendre compte que en mettant sur le même dénominateur, on va avoir 15 sur 5. 15 sur 5. Je vais me tasser un peu. 15 sur 5 plus 2 sur 5. Donc c'est pour ça que la réponse finale, en fait, c'est égale à 17 sur 5. Donc que vous utilisiez la méthode ici, de droite, ou la méthode de gauche, est-ce qu'il y en a qui connaissaient la méthode de gauche 5 fois 3 plus 2 Oui. Oui, hein. C'est la, la méthode. De... Ah, superbe, avec vos enfants, ça c'est bien, ça permet de réviser. Wow, génial. Mais ben ça, c'est la méthode enseignée ici au Québec, là, euh, qui, qui est en fait de multiplier le 5 avec le 3 et d'additionner le 2. C'est la méthode rapide. Vous avez le droit de l'utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser la méthode longue ici, euh, qui est de mettre sur même dénominateur et ensuite d'additionner les numérateurs entre eux. C'est libre, c'est à votre discrétion. Et là, ça, ça va me permettre d'aller faire l'exemple C. Puis là, dans l'exemple C, j'ai juste à multiplier le 5 avec le 3 et de faire plus 2 pour connaître la vraie valeur de la fraction en vert. Donc si je fais 5 fois 3, 15 plus 2, je vais obtenir 17 sur 5 moins 21 sur 35. Donc je dois d'abord réécrire ma fraction impropre sous le format habituel avant de faire ma soustraction. Donc, il euh, faut faire attention à ces fractions-là qui sont un peu euh, spéciales. Puis là, maintenant qu'on a euh, le format correct, ben, là, maintenant, on peut mettre sur même dénominateur. Donc, on n'a qu'à multiplier par 7 et multiplier par 7 euh, en haut et en bas, hein, parce que 7 fois 5, ça nous fait 35. Puis là, en faisant ça, on devrait obtenir, euh, si on fait 7 fois 17, ça fait 70 plus 49. Donc, ça nous fait 119 sur 35, moins 21 sur 35. Donc, euh, en faisant x7 en bas, x7 en haut, comme d'habitude. Et maintenant, on a juste à soustraire 21. À notre 119, maintenant que nos deux fractions parlent le même langage, on va obtenir 98 sur 35. Et là, je pense que 98 sur 35, ça se divise par 7. Hein? Pas évidente celle-là quand même, mais on peut diviser par 7 en haut et diviser par 7 en bas. C'est un peu moins facile à voir celle-là. Euh, divisé par 7, ça va nous faire 14 sur 5. Donc, euh, 14 sur 5 qu'on peut laisser comme réponse finale. Vous n'êtes pas obligé. Ah, que question! Euh, oui. Oui. Oui, c'est préférable de l'écrire de la façon simplifiée, là. Oui, exact, 2 et 4 sur 5. C'est préférable de simplifier, là, parce que 28 sur 35, ça se simplifie en divisant par 7. Exact. Le, comme numérateur, exact. Parce que le numérateur, c'est celui d'en haut et le dénominateur, c'est celui d'en bas. Exactement. Bonne question, bonne question. Oui, on peut également diviser. Euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est personnel, en fait. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, le voici. Ah, c'est tout simplement un choix de la personne qui a composé la question. Elle a choisi de l'écrire comme ça, mais on aurait bien pu choisir de mettre une parenthèse également. Parce que les parenthèses, en fait, on s'en sert pour indiquer à la personne qui va faire le calcul, tu dois débuter par ça. Mais là, dans ce cas-ci, on n'a pas jugé nécessaire, mais ça aurait été équivalent, tout à fait. On aurait eu droit de mettre une parenthèse ici et ça aurait donné la même chose. Okay. Très bonne question. Okay. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je vous envoie sur Moodle? Ah, ça se passe bien. Je vais aller chercher mon écran numéro 2. Ça ne sera pas très, très long. Je vais aller chercher mon écran 2. Le voici. Voici mon écran 2. Et là, ce que j'aimerais vous envoyer faire, c'est euh, les deux formatifs sur Moodle, formatif euh, priorité des opérations et formatif sur les fractions, qui sont disponibles sur Moodle euh, juste ici. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés d'accès? Là, je vois, là je, ce qui me reste à faire avec vous, c'est juste ça, c'est d'aller faire le formatif. Là, je vous rappelle que les formatifs sont obligatoires. Je prends les présences avec les formatifs. Donc, c'est obligatoire d'aller les faire. Si vous n'avez pas le temps, parce que là, il nous reste encore, bon, quoi, 50 minutes à peu près. Si vous n'avez pas le temps d'y finir, ça se peut que vous n'ayez pas le temps. Je ne vais pas vous mettre absent parce que vous n'avez pas terminé. Moi, je vais vous mettre présent si je vois que vous l'avez au moins commencé ce soir. Donc, c'est vraiment ça mon objectif c'est de voir que vous l'avez commencé. Comme ça, je peux vous marquer présent. Et pour le reste du cours, je reste connecté avec vous et je réponds à vos questions par rapport à ces formatifs-là. Puis même si vous voulez que je fasse certains numéros des formatifs, je vais les faire là, à votre demande. Je suis là pour vous, pour vous aider à progresser. Et vous pouvez vous attendre à avoir, je vais l'ouvrir, le formatif sur la priorité des opérations. Je vais y accéder. Vous pouvez vous attendre à avoir des questions similaires dans vos devoirs qui comptent. Donc, l'objectif des formatifs, c'est de vous préparer aux devoirs qui comptent. C'est vraiment ça. Moi, je vais copier-coller les questions, je vais changer un peu les chiffres, puis vous allez avoir la même chose dans les devoirs qui vont compter. Donc, là, pour l'instant, ça compte pas. On se pratique à quest ce qui va compter plus tard. Ah, je crois que j'ai une question de Dalila. Oui, moi, j'en ai deux. Euh, parce que je pensais ah, tant mieux. Oui, parce que c'est la règle de cette notation. Oui, exactement. Puis, souvent on me demande, c'est quoi la logique derrière cette notation-là? Il n'y en a pas. pas. C'est une convention d'écriture qu'on utilise en Amérique du Nord quand on veut représenter la fraction sous une forme impropre. On appelle ça impropre, hein, parce qu'on sait que c'est pas très joli <laughs> comme notation. Ben moi c'est ma manière de faire personnelle, c'est pas une convention internationale, mais c'est tout simplement pour que ça soit plus clair pour vous. Oui 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 j'ai reçu j'ai confirmation ici, juste ici on le voit là, c'est bien reçu. Ben si vous avez complètement fini ben je, vous, je vais vous souhaiter bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Pour ceux qui ont terminé. Je vais rester connecté avec ceux qui peuvent avoir des problèmes techniques ou des difficultés à effectuer les calculs. C'est ça mon objectif pour l'heure qui reste. Ah. ah ah bonne soirée. Je pense qu'il y avait euh, Enaida qui est en premier. Ah. ah, oui, exact, c'est seulement la réponse qu'on met ici. Comme, comme par exemple pour le premier, là, 5 plus 3 plus 2 plus 6, on additionne tous les nombres et on met uniquement la réponse. Tout à fait. Ça, ça devrait faire 8 plus 8, ça devrait faire 16. Et normalement, quand on fait vérifier, ça devrait donner la bonne réponse. Oui, ça donne un crochet vert. Oui. Oui, oui, il y a un bouton soumettre exact. OK. d'accord, merci. Superbe. Euh, c'est pas les formatifs, c'est les exercices qui suivent les formatifs. Euh, ceux-là qui que je projette présentement? Oui. Ça. Oui, ça c'est les formatifs, exact. J'ai vu que je suis bon, moi. Mmh. Euh, <laughs> ah! Ils sont ici, ils sont ici formatifs sur la priorité des opérations. Dans la semaine du 3 janvier, oui, oui, c'est sensiblement les mêmes exercices que les fichiers ici. Il y en a un peu plus là dans les fichiers PDF. Oui, oui, c'est ça, exact. J'ai rendu disponibles deux fichiers PDF euh, parce que la question, en fait, c'est euh, quels sont les, les exercices qui a en dessous là. Ces deux-là sont pas obligatoires, mais je les rends disponibles quand même parce qu'à chaque session, il y a des gens qui me disent Hey, peux tu peux-tu nous en donner un peu plus, ben ils sont là. Non, 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 vous m'envoyez pas les PDF. Non, non, non. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, je pense que ça force euh, l'affichage. là, vous pouvez les voir ici. Euh, il y en a quand même beaucoup. Là. Il y a jusqu'à V là, pour vous pratiquer. Et je pense que les réponses hein, à la fin. Euh, ouais, vous avez les réponses à la fin. Donc, ça, c'est vraiment personnel. Ça, c'est vraiment si vous ressentez le besoin d'en faire plus, vous pouvez aller faire ça. C'est vraiment personnel à chacun. Ah ben ça fait plaisir. Et là je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait euh, une question. Est-ce que ça se peut? Euh, oui, moi j'avais une question. Ah Eva! Je voulais juste savoir si on allait avoir les réponses de nos tests, savoir c'est quoi nos erreurs jamais nous. Ah, tu veux dire dans les formatifs? Ben, en fait, le formatif, il indique seulement dans le logiciel, dans le, le site web, si c'est bon ou non. Comme par exemple, si je rentre un, puis je fais vérifier, il va me donner mal. Donc, il va me dire crochet rouge. Mais en fait, je ne vais pas publier de solution détaillée. C'est pour ça que je reste avec vous. Comme ça, s'il y en a un présentement, vous êtes bloqué, je peux le faire avec vous. Ah, c'est ça la question, là. C'est ça la question. Ah oui, question. Moi, je suis pas très techno. Ça veut dire que je dois. Ah, il faut aller. Oui, exact. Il faut aller sur un site Web. Donc, euh, moi, ce que je conseille, c'est soit d'utiliser un deuxième ordinateur, d'utiliser un téléphone ou une tablette, ou tout simplement de réduire Teams, pas quitter complètement Teams, mais on peut réduire Teams. Puis, aller faire ça en parallèle, euh, en même temps, là, sur une page web. Oui, tout à fait. Puis, le lien pour accéder à euh, Moodle, je vous l'ai envoyé par Mio. Et il est disponible aussi sur Léa. Donc, euh, vous devriez avoir accès, là, quand même. Assez bien. Ah, Eva Ah oui, 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 exact. Exact, je peux, te, je peux te montrer la mienne, là? Sur la mienne, en fait, si, matin on veut entrer un nombre négatif, il faut d'abord appuyer, mettons, je veux rentrer moins 6. Il faut d'abord faire 6 et ensuite faire la touche plus ou moins. La touche qui est en bas. Oui, parce que si on essaie de faire... Si essaie de faire moins 6, ça va pas fonctionner. Il va le mettre positif. Ah, ben oui, ça fonctionne. Tout à fait. Hein, je connaissais pas cette méthode-là. J'aime ça. J'apprends des nouvelles choses. <laughs> Ah, c'est bien. Mettons moins 4. Moi, je fais 4 plus ou moins pour faire un moins 4. Mais c'est personnel. Hein? Donc, euh... ah, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, de... C'est terminé les questions déjà. Il n'y avait pas personne qui voulait que j'en fasse un. Ah oui, je vais être patient, désolé. <laughs> Gladys, désolé, désolé de vous mettre de la pression. Ah Cynthia! Oui, oui, enchanté. J'aimerais en fait qu'on fasse la question 4, il y a comme trop de parenthèses. Ah, celle-là ici! Ouais, je l'ai comme fait deux fois. Ah, superbe, on peut la faire, ben oui, ben oui. Ah, oh, je l'aime bien.

Je vais écrire ici. Est-ce que je peux écrire ici? Je vais essayer. Euh... Non, je pense que je vais procéder différemment. Je sais comment je vais faire. Je vais utiliser mon outil de capture. Ça ne sera pas très long. Puis je vais faire le numéro 4 avec vous autres. Euh... Je vais le capturer comme ça, le numéro 4, puis je vais l'emmener dans Paint. Ça va être plus facile. Je vais l'emmener dans Paint comme ça. Puis je vais le faire ici comme ça. Je vais avoir de la place amplement pour le faire. Puis je peux même effacer tout ce qui est en dessous ici. Là. Je vais tout effacer ça. Euh, je vais le faire comme effacer ça. Oh, je vais l'effacer comme ça. Enfin, comme ça, je vais avoir de la place pour répondre. Pour faire mes calculs. Voilà. Directement dans Paint. Voilà, voilà. Okay, donc le numéro 4, c'est ça, il y a beaucoup de parenthèses, mais moi ce que je conseille toujours les, les gens de faire en premier, c'est les parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Parce que là, dans celui-là, le problème qu'on a, c'est que le moins 11, le 11-6 est pris à l'intérieur. C'est comme des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. Donc moi, j'aime ça commencer par celle-ci. Parce que c'est les parenthèses les plus prioritaires, vu qu'ils sont à l'intérieur de d'autres parenthèses. Donc, moi, c'est ce que j'ai commencé par faire. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez fait au numéro 4. Ah, on va les faire. Ah, c'est correct aussi. On peut faire le 3-6 également, parce qu'il y a Totalement tout seul. Donc je vais faire les deux. Bonne, bonne suggestion. Je vais faire les deux. Sur le même. Euh, dans la même étape. Donc je vais commencer par mon 8. Moins. Je vais juste remettre mon moins à la bonne place. Parenthèse, parenthèse, moins. Puis là, ce que je vais faire, c'est 11 moins 6. Donc 11 moins 6 qui nous fait 5. Plus 4. Fermeture de parenthèse. Et le moins qu'il y a après, je le laisse. 3 moins 6, ça nous fait moins 3. Fermeture de parenthèse, fermeture de parenthèse. Qu'est-ce que, qu que j'ai commencé par faire, en fait Ah, peut-être que j'ai été un peu vite, mais là, je vais le, je vais le rappeler. Qu'est-ce que j'ai fait Ce que j'ai fait, c'est que le 11 moins 6, j'ai obtenu 5. Donc, euh, ce 11 moins 6-là, c'est le 5 qu'il y a ici. Le 4 est resté un 4 avec son plus euh, associé. Et 3 moins 6, j'ai fait moins 3. Parce que j'ai 3 dollars, je soustrais 6 dollars, donc j'ai une dette de 3. Donc c'est pour ça que j'ai un moins 3 ici. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Oui. Jusqu'à maintenant. J'ai commencé par les parenthèses les plus imbriquées. Donc le 11 moins 6 était très imbriqué. Puis comme lui ici était comme tout seul à part, je me suis permis de le faire aussi là, en même temps sur le même ordre. Puis là, quand on a juste un chiffre tout seul dans une parenthèse, vous n'êtes pas obligé de mettre la parenthèse, vous pouvez l'effacer. C'est plus nécessaire pour le 5 d'avoir sa parenthèse et c'est plus nécessaire pour le moins 3 d'avoir sa parenthèse. Donc vous pouvez juste les effacer, ceux-là. Et maintenant, vous pouvez effectuer votre opération de moins 5 plus 4. Donc, c'est ce que je vais faire à la prochaine étape. Je vais dire que j'ai 8 moins ouverture de parenthèse, mais parenthèse parenthèse, moins 5, donc j'ai moins 5 plus 4 Je vais avoir moins 1$. Donc, c'est comme une dette de 1$, en fait, qui va me rester dans cette parenthèse-là. Puis le moins, moins. Le moins moins va devenir un plus. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez de, de tout à l'heure. Moins moins, c'est comme si on soustrayait une dette. Mais quand on soustrait une dette, on additionne de l'argent. Donc on fait plus 3 en fait, quand on soustrait une dette. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai effectué mon moins 5 plus 4, ça m'a donné moins 1. Puis j'ai changé le signe de mon moins moins pour devenir un plus 3. Donc euh, c'est ça grosso modo jusqu'à maintenant. maintenant est-ce que c'est correct ou vous avez des questions Ah, je pense, je pense que une question, Naoufal. Question Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On met dans dans le système, il faut juste entrer la valeur finale. Exact superbe, 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 et là, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les parenthèses, quand c'est simplement un nombre, sont devenues inutiles, donc je vais enlever la parenthèse pour le moins 1, et là, maintenant, je peux effectuer mon addition, moins 1 dollar plus 3 dollars, bien là, je vais avoir 8 moins parenthèse 2, tout simplement, parce que Moins 1$ plus 3$, ben là on va avoir 2$ positif. Et finalement, rendu à ce moment-là, ben là maintenant qu'on a traité toutes nos parenthèses, on peut effectuer notre soustraction 8 2 qui va nous donner une réponse finale de 6. Et ça, ça, ça devrait être bon dans Moodle. Est-ce que ça fonctionne 6 Du premier coup, <laughs> moi, non, non, pour moi, <laughs> euh, je suis content, je suis content quand je réussis du premier coup. Je suis... Ah, moins, moins chiffre, plus moins un autre chiffre. Euh, ah, le troisième, celui-là. Oui, je vais le capturer. Encore une fois, j'ai utilisé mon outil de capture et je vais le capturer. Question 3. Je vais le capturer comme ça. Et je vais l'amener dans Paint également. Je vais le mettre juste en dessous comme ça. Je vais le garder pas loin. Juste ici. Là, je vais zoomer. Euh, et voilà, c'est celui-ci. La question 3. Ben là, c'est ça, là, on, comme on a deux parenthèses, on peut les faire en même temps. On peut commencer par... On peut faire les, ces deux parenthèses-là, ici, là, euh, en même temps. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, 6 euh, moins... Ben là, la parenthèse qui est ici, il faut tout simplement additionner 2 euh, plus 3, qui fait 5, plus 4, ça fait 9. Fermeture de parenthèse. Et même chose avec l'autre, hein. Là, on peut effectuer euh, l'opération qui est ici... Donc euh, ça va nous faire euh, moins 4 plus 2, ça nous fait moins 2. Mais moins 2 moins 5, ça nous fait moins 7. Hein? Parce que là, c'est comme si on additionnait du négatif. Moins 2 moins 7, c'est une dette de 7$. On a une dette de 2, dette de 5, dette de 7. C'était peut-être juste ça. Puis là, finalement, ben, on va avoir 6 moins 9. 6 moins 9, ça va nous faire moins 3. Moins 3. Plus moins nous fait un moins, donc moins 7. Donc euh, moins 3 moins 7 qui nous fait moins 10 au final. Oui, parce qu'on additionne un négatif et la règle du plus moins, plus moins devient un moins. C'est la fameuse règle du plus moins. Quand on additionne une dette, mais ben, additionner une dette, ça reste du négatif. Donc, il euh, faut soustraire à 7, ce qui nous fait moins 10. Et ça devrait marcher moins 10, théoriquement. Oh! Le numéro 5. Ah, superbe, c'est moins 10. Et là, on me demande le numéro 5. Oh, le numéro 5. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Oh, le beau numéro 5. Ah, j'ai une question avant de Naoufal, encore une fois. Est-ce que est c'était que une question euh, par rapport au 5 Ah, c'est un oubli de main. C'est un oubli de main. Et j'ai également une, une question de Rosemary. Ah, Jacqueline. Ah, ça, c'est une question rapide. Je vais la répondre avant de faire la 5. Je vais répondre, je vais répondre parce qu'elle se fait rapidement. Je peux répondre rapidement à cette question-là. J'y vais. Quels sont les 3 huitièmes En plus, c'est la question 1. C'est intimidant. Hein? Puis, quels sont les 3 huitièmes de 2 cinquièmes ben en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est tout simplement de faire une multiplication. Je vais l'écrire ici, là. Quels sont les 3 huitièmes de 2 cinquièmes? Ce qu'on nous demande de faire, c'est de multiplier 3 sur 8 par 2 sur 5. C'est tout. C'est choquant, hein. Bonne question, bonne question. On fait 3 2 puis 8 5. Ah non, non, on multiplie le 3 avec le 2 et on multiplie le 8 avec le 5, Donc ça va faire 6 sur 40. Mais on peut pas laisser la réponse comme ça. Faut simplifier après. Exact, exact. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, je pense qu'il fallait que je fasse le 5, hein? j'avais promis ça. Oui, exact, exact, exact. Je vais juste le capturer et l'amener dans Paint. Parce que malheureusement, j'ai pas trouvé de moyen plus efficace que d'utiliser Paint. Je m'excuse d'utiliser des outils un peu archaïques. Là. Ah, vous aimez ça, Paint Est-ce que vous voyez bien dans Paint Ah, ok, ok, ok. Bon, mais ben, je vais faire ça dans Paint. Euh, oui, tout à fait. Le 4 et le 3 sont multipliés. Tout à fait, puisqu'on a moins 2 plus 4. Je vais traduire en fait euh, ce qu'on veut dire là, par cette expression. C'est 4 multiplié par 6 moins 3. Euh, multiplié par 4 moins 2. Fermeture de parenthèse, fermeture de parenthèse. Et là, j'ai... Des bruits. Donc, je vais tout simplement fermer les micros qui font du bruit. Voilà. C'est fait. Donc, euh, c'est ça. C'est des multiplications. Le 4 multiplie la parenthèse et le 3 multiplie la parenthèse également. Puis là, maintenant qu'on a traduit le problème correctement, là, ce qu'on peut faire, c'est effectuer la parenthèse la plus imbriquée. Là, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, celle-ci, là. 4 moins 2 euh, en premier, puisque c'est une parenthèse dans une parenthèse. Donc, c'est pour ça que je vais débuter par celle-ci. Donc, euh, on va avoir moins 2, va rester pareil, plus 4 multiplié par 6, moins 3 multiplié. Oups, j'ai besoin de plus d'espace. Plus d'espace. Multiplié par 4 moins 2, qui fait 2. Fermeture de parenthèse et fermeture de parenthèse. Donc, là, on voit bien là, que... Notre 4 moins 2, ça fait 2. Puis là, quand vous avez un nombre qui est en parenthèse tout seul, ce n'est plus nécessaire de le mettre en parenthèse. On peut effacer la parenthèse du 2. Donc de l'opération 4 moins 2. Et là, maintenant, il faut traiter la parenthèse qui nous reste en priorité. Donc c'est la parenthèse avec 6 moins 3 fois 2. Mais là, vous allez débuter par quoi Le fois ou le moins Exact, exact. Il faut débuter par la multiplication selon la règle. Donc on n'a pas le droit de soustraire tout de suite. Il faut faire 3 fois 2. Donc c'est ça que je vais faire. Moins 2 plus 4 multiplié par 6. Moins 3 fois 2 qui nous fait également 6. Et c'est ça, là. il y avait une blague dans celle-là. Ah ok, parce que là, 6 moins 6, ça vous fait quoi 0, exact, 4 fois 0. 4 fois 0 okay. qui fait 0. Ah, les multiplications sont prioritaires. Okay. Pemdas. Ah, mais on est fatigué à cette heure-là. Hein. Il est déjà rendu 8h35, je l'admets. Bon, si le, le... Ah, ben oui. D'après moi, oui, parce que je vois je peux voir les tentatives. Je vois qu'il y a 25 personnes qui l'ont fait. Je vais aller voir dans les tentatives et je vais aller voir Eva. Eva, 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 Eva. Ta, 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 ta. Euh, il y a donc du monde. Est-ce que j'ai passé? Euh, euh, ah oui, juste là, Eva. Tout à fait. Les deux sont terminés déjà. Il y a un formatif sur les fractions aussi. Il y en a deux. Super. Alors, je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des questions pour moi pendant ce temps-là. Ne vous gênez pas. Super, je vois que les gens se sont fait un groupe Facebook. C'est toujours une bonne idée hein, d'avoir un groupe Facebook pour vous entraider. Euh, souvent, euh, dans les autres années, les gens faisaient ça aussi. C'est toujours très bon comme idée. Parce que je sais qu'il y a certains enseignants qui font des travaux d'équipe aussi. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, oui. Oui, oui, c'est dans le chat. Ben, il y a un lien. Il y a un lien. On le voir dans le chat. Ouais, dans le chat. Il <laughs> faut cliquer sur le bouton. Euh, je, peux, je peux vous le montrer, là, vu que je partage mon écran. Là. Je vais vous le montrer. C'est euh, dans le haut, là, il y a comme conversation. Je ne sais pas si vous le voyez, le bouton, là, avec la bulle. On a comme les participants, on a la bulle. Il faut cliquer sur la bulle comme ça ici. Puis là, on voit on voit le, on voit le lien ici là, pour le groupe Facebook là, que vous pouvez rejoindre pour vous entraider. C'est un groupe pour vous entraider hein, pas pour pas pour tricher. <laughs> Good.

Euh, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais le trouver. Parce que je peux voir tout ce que vous faites. En haut, peut-être. Ah, c'est le deuxième. Euh, oui, le... ok, oui, oui, je suis dans le deuxième. Je suis dans le deuxième devoir là. Tout à fait. Formatif sur les fractions. Hein? Euh... Euh. Ah, mais je peux pas voir. C'est ça, je peux pas voir tant que vous n'avez pas euh, soumis. Faut appuyer sur le oui. bouton. Ah, c'est. Ah. Ah ouais, hein? Hum, je vais revenir en arrière. Et je vais recharger.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, ça veut dire que tout est bon. Ah, félicitations. Ah non, quand vous avez terminé, je vous libère pour la soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais publier l'enregistrement dans la nuit, en fait, parce qu'il faut que j'envoie je, la vidéo sur YouTube. Donc, ça me prend à peu près 24 heures pour publier l'enregistrement, malheureusement. Oui. Mais souvent, ce que je fais quand la réponse doit être une fraction, je vous demande de donner le numérateur et le dénominateur séparément, comme ça. Je mets deux cases. Quand la réponse est entière, quand c'est juste un entier, bien, je mets la réponse comme ça. Ah, pour le devoir. Oui, oui, exact. Quand vous allez avoir des devoirs qui comptent, c'est pas le cas encore, là, mais c'est exactement comme ça qu'il faut faire, exact. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Tout à fait.

On va le faire ensemble, superbe. Ah, euh... oh, pas du tout, y en... <laughs> <laughs> Ah non non non. Euh... on est rarement seul hein? on est rarement seul euh, qu'est-ce qu'on va choisir comme dénominateur commun avez-vous des suggestions oui oui 3 euh, ah, ça ne marchera pas pour le 8 ouais, 24 moi aussi je prendrais 24 parce qu'on peut faire x3 x3 euh, pour le 12 on va faire x2 et x2 ouais bonne idée bonne idée 24 et pour le 2 on peut faire x12 et multiplier par 12 ouais 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 très bonne idée le 24 je sais pas c'est qui qui l'a dit mais euh, vraiment bien vraiment bien comme idée 3x7 21 sur 24 euh, 5 x 2 ça fait 10 sur 24 et euh, 1 fois 12 ça fait 12 sur 24 et là on peut additionner, mais là il faut additionner uniquement les euh, nombres qui sont en haut, hein, uniquement au numérateur. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez fait.

C'est possible que des fractions ensemble génèrent plus qu'un qu entier. Comme par exemple, un demi plus un demi, ça va faire un entier. Donc, c'est possible, oui. C'est une bonne réponse. 43 sur 24. Mais là, comment est-ce qu'on entre cette réponse-là? Ils veulent quoi, eux? Euh, ah, ils veulent juste... Oui, 43 et 24. Vérifié.

Oh, pour la 4. Ah, le 1, le 1, je... Le... Voulez-vous qu'on fasse le 1? Ah, bonne soirée. Je, je... Le, le 1, on demande les 3 huitièmes de 2 cinquièmes. Ben, il faut juste multiplier. 3 sur 8 avec 2 sur 5. 3 sur 8, multiplié par 2 sur 5. 3 fois 2, 6, 8 fois 5, 40. Puis ensuite, il faut diviser pour euh, simplifier. Hein? Division par 2 et division par 2. Et moi j'ai obtenu euh, 3 sur 10. Est-ce que c'est ça que vous aviez? Euh, sur 20, oui. Sur 20. Oh! Une chance. C'était pour voir si vous suiviez. Euh, 3 sur 20. En fait, lui a l'air très difficile, mais quand on sait quoi faire, euh, il se fait vraiment rapidement. Mais faut savoir quoi faire. <laughs> c'est juste ça. Puis le 2, le 2, je vais aller voir c'est quoi la question pour le 2. J'ai oublié la 2. Ah ben c'est la même chose. Ah, mais lui est un peu plus difficile! Oui, oui, le 24 est sur 1, tout à fait. Je peux le mettre ici. Je vais le mettre ici dans Paint. Et le 24 est sur 1 exactement. Il faut venir mettre le. Parce que là, quand on demande euh, quels sont les 3 huitièmes de, de 24, Ben c'est la même chose. Il faut faire 3 sur 8 multiplié par 24 sur 1. Puisque 24 est entier, donc un entier sur 1, c'est euh, sur l'unité. Puis là, on peut faire notre multiplication en haut. Ça va faire 72 sur 8. Et là, lui, je pense qu'on peut réduire. Hein? Euh, 60 plus 12, 72. Donc on peut diviser par 2. Quand, quand on voit pas, la, on voit que les deux nombres sont pairs. Donc, euh, on divise par 2, on divise par 2. 36 sur 4. Ben, on peut continuer à diviser par 2. Hein. Divise par 2, divise par 2. Je pense même qu'on peut diviser par 4 directement. Hein. Divisons donc par 4 pour aller plus vite. Euh, 36 divisé par 4, ça nous fait 9 sur 1. Donc, 9. Euh, 9 comme réponse finale. Est-ce que ça marche? Je vais le vérifier. Oui, oui, le 1, on l'ignore parce que euh, quand on divise par 1, ben, le 1 disparaît, en fait. là c Oui, bonne question, bonne question. Ah, laquelle La question 5 là là j'ai fait les premiers 4, puis là j'ai fait next puis j'ai vu Oh, je l'aime la 5. Est-ce que vous me permettez de la faire Ah, la 4 juste avant. Oui, ben oui. Ah la 4. Oh Oh, là vous êtes choqué. Ah, good. Ah, je l'aime la 4, je l'aime. Oh! La 4 en plus, ceux qui ont, euh, qui ont eu l'enseignement à l'européenne, oh que vous ne l'aimez pas parce qu'il y a la fameuse notation là, euh, américaine là, des États-Unis, la, la notation Joe Biden. Il faut faire 7 fois 7, 7, faut multiplier le 2 avec le 7. Donc ça, c'est une multiplication ici. Il faut multiplier ces deux-là. Puis il faut venir additionner le 5. Donc, euh, d'abord, il faut faire ça. Donc, 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 5, ça fait 19 sur 7. Je ne sais pas si vous avez commencé par ça. Ça, c'est choquant. Très bien, c'est bon ça. Il faut faire 7 fois 2 plus 5, ce qui donne le 19 là, que j'ai mis euh, ici. Puis là, maintenant qu'on a 19 sur 7, ben là, on peut faire x5 pour mettre euh, tout le monde sur le même dénominateur. Donc x5, x5. Euh, 19 x 5, ça fait 50 plus 45, ça fait 95. Ça devrait être ça, hein? Ouais, 95. J'avais comme un doute. 95 sur 35. Moins 21 sur 35. Euh, 95 moins 21, ça va nous faire 74. Moi j'arrive à 74. Je sais pas si vous arrivez à ça. Ah ben oui ben oui. Ce, ce que j'ai fait le 25e, j'ai multiplié par 5 le 7e premier pour le mettre sur le même pied d'égalité. Ah uh -huh, très bien. Fait que j'ai eu comme 2 et 25 sur 30. C'est la la 2e uh, 235e sur 30. Oui oui oui. Ah, bonne idée! Ah, bonne stratégie, ça marche aussi! Oui, oui, il y a plusieurs méthodes. Oui, puis les méthodes alternatives sont totalement acceptées et encouragées. Parce que là, imaginez-moi, je dois corriger tout le monde. Mais là, si tout le monde fait tout le temps la même chose, c'est plate pour le correcteur. J'aime ça quand les gens ont des méthodes alternatives. J'adore ça. Très, très bien. Voulez-vous qu'on fasse le 5? Ah oui, ok. On y va, on y va, on y va. Euh, allons voir le 5, page suivante. Ah, celui-ci. Ah, oh, puis on, faisons donc le 6 en bonus. Une question, le ah oui question oui, euh, Ben terminer ce qu'on est en train de faire là Et euh, au besoin euh, Comme j'ai dit tantôt Je vais vous montrer euh, euh, Le site En fait sur le site Oui oui tout est là en fait euh, Comme par exemple là, si on regarde la semaine du 3 janvier Qui est, qui est juste ici vous avez le contenu du cours, les lectures à faire, ben en fait, c'est les pages qu'on a fait ensemble. Et les exercices, ben, c'est les deux formatifs pour que je puisse constater votre implication dans le cours. Puis, les deux fichiers PDF, ça, c'est si vous ressentez le besoin d'en faire plus. Euh, le fichier euh, priorité des opérations et exercice sur les fractions, là. ceux-là sont facultatifs. Puis, vous pouvez aussi regarder les deux vidéos que j'ai mis ici. Qui apporte des informations complémentaires, là, particulièrement format de la BA2, qui est particulièrement intéressante pour formater votre calculatrice, parce que je sais que de base, la calculatrice arrive dans un format un peu bizarre. Là. Donc, ça, c'est quand même intéressant à regarder. Là. Ah, ben bonne soirée et à la semaine prochaine pour ceux qui quittent. Il me reste combien de temps Ah, il me reste 4 minutes j'ai le temps de faire euh, 5 et 6. Est-ce que vous me permettez? J'aurais peut-être pas le temps de faire la 8, mais on peut toujours me l'écrire euh, en question euh, euh, sur Teams ou sur Mio. Ça va me faire plaisir là, de vous euh, publier en fait euh, des indices. Mais là, je vais effacer ça, puis je vais effacer ça pour avoir de l'espace. Voilà. Euh, pour la 5, ah, ben 5 c'est des multiplications. Donc les multiplications, hein, c'est toujours ceux d'en haut avec ceux d'en haut. On multiplie tout le monde en haut ensemble et tout le monde en bas, on les multiplie ensemble. Puis si vous faites 3 fois 2, ça fait 6. Puis 6 fois 1, ça fait 6 pour en haut. En bas, si vous faites 4 fois 5, ça va vous faire 20. Puis 20 fois 8, ça va vous faire 160. Oui, oui, tout à fait. Je vais diviser par 2. Et je vais diviser par 2. Ça va me donner 3 sur 80. Je ne sais pas si ça marchait, ça, 3 sur 80. Ah, super. Super, super. Et on a même le temps de faire la 6. Vous voyez comment ça va vite? Je vais juste me faire un peu d'espace supplémentaire. Ah je sais pas. Je vais aller voir. Vite fait. Ouais, c'est une mini question. Je vais aller voir, je vais aller voir. Euh... Ouais, exact. 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 Faut faire mille sur un multiplié par 3 sur 5. Ouais. Très bonne question, très bonne question. Mais là, je vais faire la 6. Je vais zoomer. Est-ce que la question de Evant là, regardez ça de 8, là, est-ce que je peux faire 96 000 divisé par 5, multiplié par 3? Oui, oui, vous, y a, y a, on peut le faire un peu plus rapidement, oui, tout à fait, parce que si on fait 96 000, oui, oui, on peut le faire comme ça aussi. Oui, oui, oui. C'est une autre manière de le faire, là. Il y a plusieurs manières de faire le 7, je l'admets. Mais là, je me concentre sur le 6. Euh, là, il faut toujours inverser la fraction qui est à droite d'un divisé. Hein. Donc ça, ça va faire 5 sur 7 multiplié par 3 sur 1 multiplié par 9 sur 2. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez fait.

ça devrait marcher, pourtant. Ça devrait marcher parce que si on fait 5 sur 7 fois 3 sur 1, ça devrait donner 15 sur 7, sur 7 fois 9 sur 2. Ça devrait marcher. 135 sur 14. Oui. 135 sur 14. Mais je pense que ça se divise par 7. 7. Ou non? Okay. Je sais Ah, on commence par la parenthèse exacte. Il faut commencer par le 5 sur 3 moins 2 sur 7. 1 sur 9. Puis à la fin complètement, on additionne avec le tiers. Ça des... Ah, ça devrait donner des gros chiffres. Alors, okay. Oui, oui, ça me donnait 289 sur 63 ou quelque chose comme ça. Mais là, je vais aller voir le 6, est-ce que j'ai bon J'ai eu, eu 135 sur 14. Je vais aller voir. Ah, c'est bon, 135 sur 14. Génial. Hey, on a tout bon jusqu'à maintenant, ça va bien. Mais là, voulez-vous qu'on fasse la 7 Moi, ça ne me dérange pas d'extensionner. peut faire même les deux si vous voulez. S'il te plaît, oui, ça va nous aider. À... On y va. Euh, je vais la faire. Non, non je, je vais me mettre ailleurs dans mon document. Je vais mettre mon document ici. Superbe. Euh, la 7, la 7, la 7. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la 7 On nous dit que le revenu brut combiné à celui de son mari est de 96 000. Elle gagne les 3 cinquièmes. Donc là, ça, ça veut dire qu'il faut faire 3 sur 5 multiplié par 96 000 sur 1. Parce que quand on veut un 3 cinquième ou un une demi ou un 7 huitième, peu importe, c'est une multiplication automatiquement. Puis euh, si on multiplie 3 fois 96 000, 3 fois 96 000, ça me donne 288 000. Puis là, si on divise ça par 5, divisé par 5, ça donne 57 000.

Euh, ah, de la cliente. Donc, ça, c'est la cliente. Puis, si on veut le mari, pour le mari, il faut tout simplement, ça va être égal à 96 000 moins le 57 600. Ce qui devrait donner moins 96. Moi, ça me donne 38 400 pour le mari. Ça, ça, est-ce que ça marche j Ah super, j'ai pas d'erreur de pro, parce que c'est moi qui dois programmer ces questions là dans dans Moodle. Là, je suis content de savoir que ça marche. Merci beaucoup. Voulez-vous qu'on fasse la 8 ou Vous êtes tanné Tant qu'à faire, tant qu'à faire, on peut bien la faire hein. Hein! ça te dit juste réponse enregistrée? Je vais aller. Hein, je vais aller voir de mon côté. J'ai 38 400 pour le mari. Puis j'ai quoi déjà pour la femme? J'ai 57 600. 57 600. Je vais faire vérifier. Ah, moi ça marche pourtant, ça me fait un crochet vert.

Il n'y a pas de limite au plaisir qu'on peut avoir. Je mes collègues je vais vous dire une bonne soirée. Puis à bientôt. Ah, la semaine prochaine. Bonne soirée. Jonathan, je crois que tu as bloqué le microphone de l'enfant. Il demande si tu peux le débloquer. là. Ah, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Ben oui. Autoriser le micro, désolé. Ah, je m'excuse. Question pour moi. La quatrième, est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. Et si. Euh, 29 sur 35. Attends, je vais voir qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait 2 fois 5? Ah, c'est ça, ça c'est la, la, la méthode européenne. Nous, on fait la, la méthode américaine. Donc la méthode américaine, c'est de multiplier le 7 avec le 2. Il faut faire 7 fois 2 plus 5. Donc 19 sur 7. Oui, exact. 7 fois 2 plus 5. C'est la, la notation euh, états-unienne. C'est parce qu'on utilise la, la notation des États-Unis. Aux États-Unis, quand on écrit 2 et 5 septièmes, ce qu'on veut dire, ce n'est pas une multiplication, c'est une addition. On veut dire 2 plus 5 sur 7. C'est pour ça que ça nous fait 19 sur 7. Moins 21 sur 35, exact. Ça choque, hein Très choquant. Ah, oh, on n'a pas fait le dernier. Oui, oui, je m'en vais le faire. Je m'en vais le faire. Oui, il faut me rappeler à l'ordre. Hein? Oui, 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 tout à fait. Je, je m'apprête à, à le faire. J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. De... Ah, ben faut, faut juste commencer par les parenthèses puisque les parenthèses sont prioritaires. Fait qu'on a un sur trois. Plus, ben là on va ouvrir une grosse parenthèse parce que là je vais avoir 5 sur 3, mais là il faut que je mette sur un dénominateur commun. Donc je vais choisir 21 hein, en multipliant par 7. X 7, x 7. Moins 2 sur 7. Mais là je vais multiplier par 3. Multiplier par 3. Et tout ça est multiplié par euh, 1 sur 9. Donc là, il y a plusieurs étapes pendant hein, celui-là. Là, euh, il ne se fait pas d'un coup. Là. Donc là, ça va faire 1 sur 3. Plus parenthèse. Euh, 5 x 7, 35. Sur 21. Moins 6 sur 21. Multiplié par 1 sur 9. Euh, puis là, on peut faire notre soustraction. Maintenant qu'on a un dénominateur commun, là, on peut soustraire. Puis là, pour soustraire, il faut juste soustraire les numérateurs, hein, ceux d'en haut. Donc c'est 35 moins 6. Donc ça va me fait 1 sur 3. Plus euh, 35 moins 6, ça va me fait 29 sur 21. Multiplié par 1 sur 9. Sauf que là, je n'ai pas le droit de faire mon addition tout de suite, hein, parce que l'addition est, est sur un ordre de priorité inférieur. Donc, il faut commencer par la multiplication. C'est ça. Puis là, la multiplication, c'est de multiplier le 29 avec le 1 et de multiplier le 21 avec le 9. On multiplie ceux d'en haut avec ceux d'en haut et ceux d'en bas avec ceux d'en bas. Donc, 1 sur 3. Plus 29, hein, parce que 29 x 1, ça fait 29. Sur 189. Je le fais mentalement, là. C'est beau. Ouais, ouais. On fait 63 en haut et en bas. Euh, pour la première fraction, parce que si vous faites 189, c'est pas évident à voir, là, mais 189 si vous le divisez par 3, ça donne. Euh, si vous le divisez par 63, ça donne 3. Je ne sais pas si vous le voyez facilement, là, il n'est pas évident à voir celui-là, je l'admets. Ça, cette notion-là n'est pas évidente, là, mais en tout cas, après ça, on va avoir 63 sur 189. Plus 29 sur 189. Donc euh, ça va nous faire 80 euh, euh, 92. Hein? Puis ça, est-ce que ça se réduit euh, euh, 92? C'est ça, c'est ça. Je pense que ça se réduit pas. faut le laisser comme ça. Et Ça ne se réduit pas exact. Donc, on le laisse comme ça. Si vous voulez voir toute la démarche, la voici. Ah, sur Léa! Oui, puis je pense que je vais même le mettre sur Moodle, tant qu'à faire. Je vais le mettre aux deux endroits. Okay. Moi, ah, euh, moi j'aime ça les mathématiques, j'en mange là tous les jours. Hein. À tous les jours, j'en fais là, Gladys là. D'ailleurs, euh, je sais pas si je l'ai pas loin. Ah non, j'ai pas mon livre avec moi, mais je lis des mathématiques à tous les soirs avant de me coucher pour le plaisir. J'adore ça. J'adore une question. Ah oui, question pour moi. Oui, en fait, je voulais savoir un peu comme Gyllen tantôt, moi j'ai fait tous les exercices qu'ils m'ont donné des crochets verts. Puis quand je fais terminer le test, ça me dit réponse enregistrée, réponse enregistrée un peu partout, à part une place qui me correcte. Ah, bizarre! J'ai eu les crochets verts partout. Ah, ça doit être bon! C'est Eva, hein? Je vais aller voir pour Eve. Mais en, en retournant dedans, normalement, euh, il y a l'option de revoir le, la, la tentative. Quand on reclique dessus, là, on, on, peut, on peut revoir la tentative. Ah, le 6. Ah, le 6 est ici. Oui, la semaine prochaine, tout à fait. Bonne soirée à ceux qui quittent. À la semaine prochaine. Oui. Les équations, la semaine prochaine, on va isoler X.

Euh, presque oui oui ben en fait 5 x 3 fois 9 c'est bon. Oui, ça c'est bon. On multiplie le x 9, x 9 ça c'est bon. moi j'ai seulement en fait x 2 2 x 1 x 7. Dénominateur exact, exact. Euh, ah, mais on n'a pas besoin ici parce que c'est juste, en fait... Qu'est-ce qu'on veut dire par une division? C'est tout simplement une multiplication. Donc, on n'a même pas besoin de mettre sur des dénominateurs, en fait, euh, équivalents. On peut juste multiplier le 5 avec le 3 et le 9, là, directement, sans, sans, sans euh, regarder les dénominateurs. Donc... Euh, bon. Exact, exact. Donc on peut juste faire 135 et pour le dénominateur, 7 fois 1, fois 2 directement pour le 14. Exact, exact. Ah, le 8 Ah, le 7, le 7 est juste ici. C'est tout simplement de multiplier le 96 000 sur 1 par 3 sur 5. Euh, 57 600 pour euh, la cliente en faisant la multiplication puis en divisant par 5. Et pour le mari, ben on fait la différence avec euh, le total. Le total. Okay. Ah, c'est tout. tout. Ah, OK. Je sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des questions. Il y avait encore Lisa, Cynthia et Rosa. Est-ce que vous avez des questions pour moi avant qu'on quitte? Ah, super. Ben, en tout cas, bonne soirée et je vous souhaite une belle semaine. Hein? C'est votre première semaine de cours. J'espère que vous allez l'apprécier. Bon, ben bonne soirée à tous et à toutes et à la semaine prochaine.